de professeurs. Bonne fête de professeurs à tous les professeurs d'Indonésie et professeurs de français d'Indonésie et à tous les professeurs en Indonésie aujourd'hui. Kami ucapkan selamat datang pada peringatan Hari Pengajar Bahasa Prancis Sedunia sekaligus Hari Guru se-Indonesia yang pada tahun ini bertemakan COVID-19 dan bagaimana setelahnya, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan Institut Prancis di Indonesia. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre cher événement d'aujourd'hui pour fêter le jour de prof, la journée internationale de professeurs en Indonésie et ainsi dans le monde, et qui coïncide en même temps avec le jour des professeurs, la journée nationale des professeurs. Le thème de cette année, c'est COVID-19 et après. Cet événement est organisé par l'APFI, l'Association des professeurs de français d'Indonésie, en partenariat avec l'Institut français d'Indonésie. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Reza Nuriski, saya seorang pengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ditemani oleh rekan saya dari Makassar, Madam Irma Nurul Husna Khotimah, yang merupakan dosen bahasa Prancis di Universitas Hasanuddin Makassar. Tout d'abord, permettez-nous de nous présenter. Je m'appelle Irma Nurul Husna Khotimah. Je suis professeure à l'Universitas Hasanuddin Makassar et je suis accompagnée par mon cher collègue Reza Nuriski, qui est professeur à l'école de tourisme de Bandung. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum memulai kegiatan, baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mesdames et messieurs, avant de commencer notre événement, on va tout d'abord écouter notre hymne national Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak. Bapak-Ibu hadirin terhormat, acara peringatan Hari Pengajar Bahasa Prancis Sedunia sekaligus Hari Guru se-Indonesia tahun 2021 merupakan kegiatan tahunan yang ketiga yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan sebuah wadah agar para pengajar bahasa Prancis seluruh Indonesia dapat berkumpul, saling mengenal satu sama lain, sekaligus mempererat tali silaturahmi dari para pengajar bahasa Prancis di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke. Mesdames et messieurs, l'événement de notre journée internationale des professeurs d'Indonésie de cette année coïncide en même temps avec le jour des professeurs d'Indonésie en 2001.
C'est un événement annuel, notre troisième événement, organisé par l'Association des professeurs d'Indonésie. Et cet événement, c'est une sorte de forum afin que nous tous, les professeurs d'Indonésie, nous nous retrouvions et nous nous consolidions, nous nous faisons connaissance. Comme ça, ça peut consolider notre relation entre les professeurs d'Indonésie, de Sabang jusqu'à Merauke. Bapak Ibu hadirin terhormat, telah hadir juga bersama kita saat ini dari Jakarta, yaitu Bapak Stefan Dovert, selaku Direktur Institut Prancis di Indonesia, kemudian Bapak Philippe Gongje, selaku atase kerjasama linguistik Institut Prancis di Indonesia, dan secara langsung dari Bandung, Ibu Tri Indri Hardini, Ketua Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis seluruh Indonesia. Bapak Philippe dan Ibu Dini akan hadir sekaligus menyapa untuk membuka sesi bincang-bincang dan diskusi dengan para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen pengajar bahasa Perancis seluruh Indonesia. Mesdames et messieurs, avec nous sont présents Monsieur Stéphane Dovert, directeur de l'Institut français d'Indonésie, Monsieur Philippe Gongje, l'attaché de coopération linguistique d'Institut français d'Indonésie, et en direct de Bandung, Madame Tri Indri Hardini, présidente de l'Association des professeurs d'Indonésie. Monsieur Philippe Gongje et Madame Tri Indri Hardini vont être présents pour parler avec nous en direct, pour avoir une discussion avec tous les professeurs ici présents et les étudiants de toute Indonésie. Ok, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Bonjour Madame Dini. Bonjour Reza. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Très bien. Ok, voilà. Mungkin, voilà donc, Madame Irma, est-ce que vous pouvez saluer Monsieur Granger oui. là-bas à Jakarta? Bonjour Monsieur Granger. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour depuis des jours. Voilà. Ok, Bapak Ibu hadirin para siswa, mahasiswa dan hadirin yang terhormat, pada acara hari ini pun kita memiliki agenda istimewa, yaitu pengumuman lomba peringatan Hari Guru dan Pengajar Bahasa Perancis Sedunia yang akan kami umumkan nanti di acara, dan juga akan ada kuis-kuis yang dengan hadiah yang sangat menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor kegiatan kita pada hari ini. Mesdames, messieurs, chers étudiants, aujourd'hui, dans notre événement, nous avons un agenda spécial. L'annonce de gagnants du concours de Journée internationale de professeurs de français, que nous allons annoncer tout à l'heure. Et il y aura aussi des quiz avec des cadeaux intéressants qui sont présentés par notre sponsor, l'Institut français d'Indonésie. Ok. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita akan mengheningkan cipta terlebih dahulu untuk para pengajar bahasa Prancis yang sudah berpulang pada hari kemarin. Yang pertama untuk Ibu almarhumah Tania Intan, dosen bahasa Prancis di Universitas Pajajaran, dan kedua Ibu guru bahasa Prancis di SMAN Tanjung Pinang. Mesdames, messieurs, avant de commencer, nous vous invitons à faire une minute de silence pour les professeurs, nos chers professeurs qui viennent de décéder il y a quelques jours. La première, c'était Madame Salama, une professeure de français à SMAN 2 à Tanjung Pinang, et Madame Tania Intan, professeure de français à l'Université de Pajajaran. Une minute de silence commence. Selesai. Kami turut berbelasungkawa dan kami ucapkan turut berbelasungkawa bagi para keluarga yang ditinggalkan.
Nous offrons toute notre condoléance à toute la famille et aussi à l'équipe du département de français de l'Université Pajajaran ainsi que de SMAN 2 Tanjung Pinang. Ok. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum masuk kepada sesi bincang-bincang, kita akan terlebih dahulu mendengarkan video sambutan dan pesan-pesan tentang peringatan Hari Pengajar Bahasa Perancis seluruh sedunia dari Atase Kerjasama Linguistik Institut Perancis Indonesia, kemudian dari Ketua Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis se-Asia Pasifik, dan Ketua Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis seluruh Indonesia. Berikut kami tampilkan videonya. Mesdames, Messieurs, avant de commencer notre discussion, nous allons voir et écouter tout à l'heure la vidéo de bienvenue ou des messages pour notre journée internationale des professeurs de français de la part de Monsieur l'attaché coopération linguistique d'Institut français d'Indonésie, de la présidente de la Commission d'Asie-Pacifique de la Fédération internationale de professeurs de français, ainsi que de la présidente de l'Association des professeurs de français d'Indonésie. Voilà notre vidéo. Chers collègues, professeurs de français en Indonésie, c'est un plaisir pour moi de participer à la troisième JIPF, Journée internationale des professeurs de français. Nous avons les mêmes défis partout dans le monde. Tous les profs de français de tous les pays, et ils sont nombreux, sont devant les mêmes problèmes, les mêmes challenges, les mêmes défis. Comment enseigner à distance? Et puis, parce que heureusement la pandémie aura une fin, comment retrouver le monde d'avant, ou plutôt le monde d'après, d'après la pandémie, un monde de l'enseignement qui sera forcément différent. Les problèmes que nous avons en Indonésie pour l'enseignement du français, en particulier au lycée, vont se poser à nouveau. On les a un peu oubliés pendant la pandémie, mais ces problèmes sont toujours là, c'est-à-dire motiver les élèves pour choisir le français et pour apprendre le français, motiver les directeurs des écoles, parce qu'ils ne sont pas toujours très motivés pour maintenir l'option français dans leur lycée, et puis, bien sûr, faire arriver nos élèves au niveau A1, quand il s'agit du lycée, et puis essayer, quand on est à l'université, de faire arriver les étudiants au niveau au minimum B1, et si possible, B2. Voilà, nous avons beaucoup de travail et c'est un plaisir d'en discuter aujourd'hui avec vous. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête internationale des professeurs de français. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne fête des professeurs. Je sais que votre association organise des activités intéressantes à l'occasion de cette fête. Profitez-en pour passer une journée conviviale et enrichissante. À très bientôt. Au revoir. Bonjour. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France en Indonésie et au Timor-Oriental. Monsieur le Conseiller de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France en Indonésie et directeur de l'Institut français d'Indonésie. Monsieur l'Attaché de coopération pour le français de l'Ambassade de France en Indonésie. Madame Julia Yang, présidente de la Commission d'Asie-Pacifique de la Fédération internationale des professeurs de français. Chers collègues professeurs de français en Indonésie et aussi chers étudiants. Nous sommes tous ici pour partager aujourd'hui le bonheur et la fierté d'être professeurs de français. Le bonheur parce que nous exerçons notre travail avec beaucoup de plaisir. La fierté parce que nous faisons en classe contribuer d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, à l'avenir de nos chers élèves et étudiants. La mention du français, collée à notre identité comme professeur,
ne peut que renforcer ce bonheur et cette fierté. En effet, face à un autre peuple, une autre culture, une autre façon de penser, nos élèves étudiants de français ont besoin de quelqu'un ayant plus d'expérience en la matière pour tout relativiser. Nous avons ainsi un autre rôle à jouer, leur faire connaître quelque chose de totalement inconnu et étranger et leur faire comprendre les différences éventuelles entre l'Indonésie et la France, surtout en ce qui concerne la culture. Comme chaque année, aujourd'hui, l'APFI participe au programme de la FIPF à l'occasion de la Journée internationale des professeurs de français. Cette rencontre qui sert à formellement reconnaître notre métier est donc une occasion pour nous tous de nous apprécier, de nous féliciter et de nous joindre à la communauté internationale pour célébrer la fête des professeurs de français. En effet, cette journée nous permet d'honorer le métier d'enseignant de français qui est le nôtre. Le COVID-19 et après, tel est le thème proposé par la FIPF cette année. Une réponse est sûre. Nous avons devant nous un long chemin vers le rétablissement. En effet, personne ne peut prétendre savoir quand nous pourrons nous débarrasser de ce flot global. En attendant, il faudrait bien que nous vivions avec. Et aujourd'hui, nous allons en discuter ensemble. En tant que présidente de l'Association des professeurs de français d'Indonésie, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence aujourd'hui. Et que la fête commence. Bonne fête de jeu de français 2021. Selanjutnya kami akan menampilkan video sambutan dari Ibu Cynthia Aide, Presiden Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis Seluruh Dunia. Suivant, nous allons vous montrer la vidéo de message de Madame Cynthia Aide, la présidente de la Fédération Internationale des Professeurs de Français. Allez-y. Chères enseignantes et enseignants du français du monde, ce 25 novembre 2021, nous sommes en fête. Une fête mondiale où vous, enseignantes et enseignantes français, êtes mis à l'honneur. Appelé aussi le jour du professeur du français, la Journée internationale des professeurs de français n'est pas une nouvelle journée consacrée à la langue française, mais une journée festive qui met en lumière des femmes et des hommes engagés dans le rayonnement de la langue française et dans son enseignement au quotidien. La coordination de la Journée internationale des professeurs de français a été confiée par le président de la République française en 2019 à la Fédération internationale des professeurs de français. Cette fédération, qui anime un réseau mondial de 80 000 enseignants et enseignantes de français, adhérents à 200 associations dans 130 pays de la planète. La FIPF, c'est aussi l'édition de revues pédagogiques et scientifiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignantes et des enseignants français. J'aimerais parler spécifiquement aujourd'hui du français dans le monde. Le français dans le monde est la revue de la FIPF et par conséquent, la revue des associations, la revue des enseignants et des enseignantes de français du monde entier. Le français dans le monde vous invite à collaborer avec cette revue, vous donne la possibilité de faire entendre votre voix au sein de la communauté mondiale d'enseignantes et d'enseignantes français. Aussi, la revue du français dans le monde vous permet de partager des idées et des ressources pour enrichir votre quotidien francophone et didactique. Puisqu'elle est votre revue, vous pouvez vous l'approprier et témoigner de sa vocation à véhiculer les valeurs de la francophonie et à reconnaître la beauté de l'enseignement du français. Par le biais de vos projets, en lien avec l'enseignement du français, qu'il soit langue maternelle, langue seconde, langue étrangère, langue d'immersion, et j'en passe, ces projets sont inspirés de vos perspectives, sont inspirés de vos motivations et de votre entrain
Donc, à travers ces projets, vous pouvez contribuer fortement et toujours à l'évolution de la francophonie dans le monde. Bonne fête à chacune, bonne fête à chacun d'entre vous, chers collègues, et à travers vous, rendons ces lettres de noblesse au métier de professeur de français dans le monde. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami mengundang yang terhormat Bapak Direktur Institut Prancis di Indonesia, Bapak Stéphane Dauvert, untuk menyampaikan sambutannya pada peringatan Hari Bahasa Prancis, pengajar bahasa Prancis sedunia, terutama untuk para pengajar bahasa Prancis se-Indonesia. Kepada Bapak Dauvert, kami persilakan. Mesdames, Messieurs, dans cette occasion, nous voulons inviter Monsieur le directeur de l'Institut français d'Indonésie, Monsieur Stéphane Dauvert, a passé quelques mots à tous les professeurs ici pour notre chère journée internationale de professeurs de français. Monsieur Dauvert, c'est à vous. Merci, merci chère Irma, merci chère Reza. Animateur de cette journée, maître de cérémonie, j'ai redemandé le terme à Papa Granger en français dans l'officiel, mesdames et messieurs les maîtres de cérémonie. Alors, je voulais avant toute chose m'adresser à la présidente de l'Association des professeurs de français, Ibutri Indriardini. Iboudini, je ne sais pas s'il faut dire que vous êtes une nouvelle présidente, voilà encore une énigme du français. Puisque est-on nouvellement président quand on l'était déjà et qu'on vient d'être réélu? Alors, au-delà de cette question épineuse, je voulais saluer tous les collègues ici réunis. Alors, nous sommes, je crois, plus de 150, ce qui dénote de l'importance de notre réseau. Et ce réseau, je crois que c'est vous, largement, qui le faites vivre. Le réseau des professeurs de français naturellement, puisque c'est vous qui le composez, mais aussi la francophonie en Indonésie. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous raconter une anecdote. Alors, cette anecdote, j'essaye de remettre mon petit speech, mais je vais le faire sans notes, puisque mon écran s'est soudain fermé. Comme quoi, le distanciel, ça n'est pas si simple. Alors, je voulais de toute façon commencer par vous raconter une anecdote, une petite histoire. C'était il y a très peu de jours de cela, j'ai rencontré dans une université où il n'y a pas de département de français, une enseignante qui est une enseignante de sociologie, et qui a fait ses études en France. Et cette enseignante de sociologie, très gentiment, anime le réseau le département de français qui n'existe pas, anime les cours de français au sein de cette université. Et puis, elle disait, écoutez, moi, c'est très difficile parce que je n'arrive pas à faire arriver les élèves au-dessus de A2, du niveau A2, parce que, vous voyez, je n'arrive pas à leur expliquer pourquoi les difficultés de la langue française, je n'arrive pas à leur dire pourquoi le français n'est pas une langue si difficile et pourquoi on doit aller au-delà. Alors, j'ai besoin du soutien des professeurs de français expérimentés. Et alors, une collègue qui était avec moi, pour être sympathique, lui a dit « Mais madame, vous êtes une très bonne francophone !» Ce qui était vrai. Et je suis venu au secours de cette enseignante de sociologie en lui disant « c'est normal, chère madame, parce que moi-même, j'ai enseigné le français. » Pourtant, je crois que je suis bon francophone. Je crois que je suis bon francophone, vraiment. Et puis, au début de ma carrière, j'ai enseigné le français. Parce que, voilà, j'ai eu l'occasion de le faire, et c'était en Indonésie. J'ai enseigné le français au début de ma carrière, mais je n'étais pas enseignant de français. Et je peux vous dire que pour expliquer la grammaire aux étudiants qui apprenaient le français et pour les faire monter au-delà du niveau A2, ça n'était pas facile. Ça n'était pas facile. Alors, je me suis dit à ce moment-là, alors j'étais un facteur de motivation, je crois. Un facteur de motivation parce qu'un jeune locuteur natif, je crois que ça apporte toujours quelque chose.
Et ça, c'est peut-être un message que je ferai passer à l'Indonésie d'une manière générale. Je pense qu'il n'y a pas assez de locuteurs natifs qui viennent vous assister pour créer l'animation, créer cette petite saveur du française, créer, je dirais être les croissants quotidiens de l'enseignement de la langue française. C'est-à-dire cet accessoire, somme toute inutile, puisqu'on n'a pas besoin d'être français pour enseigner le français, mieux vaut être professeur de français que de ne pas l'être, comme je l'étais. Mais ce qui est important, je crois, c'est de faire vivre un esprit. Faire vivre un esprit, c'est ce que vous faites tous les jours dans vos classes. Parce que souvent, les étudiants, les élèves, surtout, je pense aux collègues des SMA, s'interrogent. Tiens, le français, oui, c'est où est-ce ça la France et à quoi ça sert? Alors, le à quoi ça sert, je crois qu'on a pas mal de réponses à apporter. L'une de ces réponses, je crois, est importante, c'est que quand on parle français vraiment, on peut aller étudier en France. Et les gens le savent trop peu, mais vous le savez, en France, chaque étudiant qui vient bénéficie d'une bourse de fait de 70% des frais d'inscription de la part du gouvernement français. Puisqu'en fait, les études supérieures, ça vaut partout dans le monde à peu près 10 000 euros, je parle en euros, et que 7 000 euros sont couverts par le gouvernement français. Il faut donc juste seulement, petite condition, apprendre le français. Et pour apprendre le français, il faut avoir la clé. Alors, Sebagai Kunci, je ne vois qu'une chose, ce sont les professeurs de français d'Indonésie. Je crois que je suis très chanceux, en fait, d'être au milieu de vous aujourd'hui. Je disais 150, nous voilà 280, tout d'un coup, le nombre ne cesse d'augmenter, l'archipel est immense, vous disiez de Sabang à Merauke, diable, fichtre, de Sabang à Merauke, plus de 5000 km d'est en ouest, trois fuseaux horaires, pour le français que je suis, qui habite somme toute dans un petit pays, par rapport à l'Indonésie, c'est très, très impressionnant. Alors, c'est une compétence, je vous le disais, enseigner le français. C'est une compétence, parler français aussi, quand on n'est pas locuteur natif. Et ces deux compétences, vous les cumulez. Et ça, c'est tout à fait admirable. Je me rappelle d'un ambassadeur qui, une fois, dans un autre poste, me disait « Ah là là, tel agent ne travaille pas très bien. » Et je lui disais « Ah, mais oui, mais tel agent a une spécialité très difficile. » Vous, monsieur l'ambassadeur, moi, en tant que conseiller, nous n'avons pas de spécialité, nous ne savons rien faire. Et je vous dirais, ça n'est pas le cas d'un professeur de français, car un professeur de français, lui, il sait vraiment faire quelque chose. Il a appris une langue difficile, il la maîtrise et il sait l'enseigner. Si on me demandait à moi de définir ma compétence, ça serait beaucoup plus compliqué que cela. Alors, aujourd'hui est un jour très spécial. Dans tous les pays du monde, des professeurs de français, la présidente de l'Association des professeurs de français nous disait tout à l'heure 800 000, moi j'avais 900 000, mais c'est peut-être trop optimiste, 800 000 professeurs de français, mais peut-être parlait-elle des professeurs de français affiliés, et il y en a tant qui ne le sont pas, se retrouvent en même temps que nous, avec ou sans décalage horaire, pour parler de leur métier. Et leur métier, il a une autre caractéristique, il ne suffit pas de parler le français et de savoir enseigner le français, il faut savoir, et Iboudini, vous le disiez tout à l'heure, et c'est le thème de cette réunion d'aujourd'hui, il faut savoir s'adapter. Et s'adapter, dans le contexte actuel, c'est infiniment important. S'adapter à... Monsieur Dover, je rappelle. L'hôte m'avait rendu muet. Il n'est pas très gentil. Je ne sais pas qui est l'hôte. Je m'en plaindrai. Je ne vais plus être très long, je vous rassure. Je vais même bientôt conclure. Je vous disais juste que cette nécessité d'adaptation était importante. Oublions le virus pour ce qu'il est. Ne le considérons pas comme une menace, mais considérons qu'il nous a fait franchir un pas vers un monde nouveau qui est celui où nous allons mêler bien davantage que nous ne le faisions avant, le distanciel et le présentiel. Alors, ce que nous avons fait par le passé, ce que nous avons fait au passé composé, ce que nous faisons aujourd'hui au présent et ce que nous ferons demain, eh bien, ça n'est pas tout à fait la même chose.
Ça n'est pas tout à fait la même chose car les outils vont changer, parce que les pédagogies vont changer. Restera tout de même une constante fondamentale. Cette constante, je dirais même deux constantes. La première constante, c'est l'enthousiasme. Un enseignant réussit quand il est enthousiaste. Et l'enthousiasme, ça ne se décrète pas, ça se vit. C'est quelque chose qui se stimule, qui se vit tous ensemble, en communauté, au sein de votre association. Et puis, il y a quelque chose qui ne changera pas, qui est là devant moi, même si c'est distanciel, qui est là au nombre de 280, ce sont les professeurs de français d'Indonésie, que je salue et auxquels je souhaite une très bonne fête. Merci à tous. Merci beaucoup. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Stefan Dover, selaku Direktur Institut Prancis di Indonesia, yang sudah menyampaikan sambutan dan pesan-pesannya bagi kita semua yang sudah mendukung kegiatan kita pada hari ini. Nous vous remercions, Monsieur Stéphane Dover, pour votre message en tant que directeur de l'Institut français d'Indonésie et qui nous soutient dans le cadre de notre événement aujourd'hui et qui nous soutient toujours. Merci. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebuah gambar atau foto dapat sering menyampaikan pesan lebih banyak daripada sekedar kata-kata. Oleh sebab itu, untuk mengabadikan kegiatan kita pada tahun ini, mari kita berfoto bersama secara virtual yang akan dipimpin oleh Ibu Yayu. Iya, baik. Ya, Madam Monsieur, Madam Monsieur, une photo des fois délivre plus de messages que plus messages d'empathie, empathique, sympathique que des mots. Ainsi donc, avant d'immortaliser notre événement d'aujourd'hui, nous vous invitons à allumer votre appareil, votre caméra, afin que nous puissions prendre des photos qui vont être guidées par Madame Yayu ici présente. Madame Yayu. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan membantu pengambilan sesi foto bersama sebagai bukti dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Bagi yang memungkinkan untuk membuka layar kameranya, mohon untuk dibuka terlebih dahulu, dan mohon berkenan pula untuk mengaplikasikan virtual background yang telah kami bagikan pada ruang chat. Bagaimana? Apakah sudah siap semuanya? Siap. Ya. Siap. Ya. Di sini ada 12 halaman. Saya ambil halaman pertama terlebih dahulu. Mohon bersiap-siap. 1, 2, 3. Mohon ditunggu. Halaman 2, 1, 2, 3, ya. Halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4, 1, 2, 3. Halaman 5, tidak ada yang menyalakan kamera, 6, tidak ada. Baik, terima kasih sesi foto telah kita lakukan bersama. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Reza. Terima kasih banyak Ibu Yayu. Merci Ibu Yayu. Terima kasih sekali kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Stefan Dovert, Direktur Institut Prancis di Indonesia atas kehadirannya pada kegiatan peringatan Hari Pengajar Bahasa Prancis seluruh dunia. Merci encore à Monsieur Stéphane Dover pour votre présence qui nous tient pour notre journée internationale des professeurs de français aujourd'hui. Bapak Ibu, para siswa hadirin yang terhormat. Baiklah, kita akan memasuki agenda utama pada siang hari ini, yaitu sesi bincang-bincang dengan Monsieur Granger, atau yang kita akrab dengan panggilan Bapak Philip, Madame Tri Indrihardini, atau yang kita akrab dengan sapaan Ibu Dini, Madame Dini, bonjour. Sebagai permulaan dengan bincang-bincang ini, sesuai dengan acara tema tahun ini, yaitu
COVID-19 dan bagaimana setelahnya? Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Philippe dan Ibu Dini. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes maintenant à notre événement principal, notre agenda principal, discussion avec Monsieur Philippe Granger et avec Madame Dini. Et comme vous le savez peut-être tous, donc le thème d'aujourd'hui, c'est le COVID, enfin de cette année, c'est COVID-19. Et après, donc, nous allons poser des questions à Monsieur Philippe Granger, à Madame Dini. Dan pada sesi bincang-bincang kali ini pun kami mempersilahkan kepada para seluruh peserta yang hadir untuk dapat mengikuti diskusi juga secara langsung. Apabila ada pertanyaan atau ada kesan-kesan selama kegiatan, dan apabila ada pertanyaan untuk Madam Dini dan Monsieur Philippe, silakan untuk dapat menggunakan fitur raise your hand atau angkat tangan di perangkatnya masing-masing sebelum berbicara. Alors, pour la discussion. Nous vous accueillons à participer activement, à poser des questions à M. Philippe Granger et aussi à Mme Dini, si vous en avez. Et vous pouvez utiliser le feature Raise Your Hand dans votre appareil avant de commencer. Ok. Untuk bincang-bincang kali ini, kita akan membahas mengenai pengalaman dan kesan-kesan selama pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 terlebih dahulu. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Madam ini. Bonjour, Madam. Oke, pertanyaan pertama. Reza saja ya, karena Reza ini dulunya mahasiswa saya. Elite Monitidion. Dan Madam Dini selalu menjadi guru dan ibu saya di UPI. Walaupun bonjour, terima kasih banyak, Madam. Pertanyaan pertama nih, Madam, berhubungan dengan pengajaran bahasa Prancis selama masa pandemi yang lalu. Kira-kira apakah dapat Madam ceritakan selama pengajaran kemarin, apa saja sih yang hal-hal yang Madam sukai dan Madam tidak sukai? Kira-kira. Ya, jika kita bicara tentang yang disukai dulu ya, sebelumnya tahun 2020 saat pandemi baru saja dimulai, tentu saja semua masih terkaget-kaget harus melakukan apa. Perkuliahan yang biasanya dilakukan tatap muka harus berubah menjadi tatap maya. Tentu saja saat yang tepat untuk bersahabat dengan teknologi. Dan itulah kebetulan saya sangat menyukai teknologi. Vous avez travaillé aussi avec moi pour le cours de média. Cours de média, aussi média d'enseignement, par exemple. Di situ kita bisa mengeksplorasi, gitu ya, dan termasuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru dan termasuk pada guru-guru bahasa Prancis juga kita melakukan pelatihan micro learning, bagaimana menyiapkan materi-materi yang menarik untuk guru-guru supaya siap untuk mengajar. Nah, itu salah satunya yang saya sukai. Jadi kita bisa lebih maju lagi dan sekarang lebih melek lagi ke teknologi gitu. Kalau yang tidak disukai sama mungkin seperti guru-guru yang lain, saat kita mengajar kamera ditutup, dipanggil tidak menjawab. Nah, itu menjadi satu kendala. Akhirnya kita jadi kurang yakin ini mahasiswanya tidur di depan atau atau tidak atau memang perangkatnya tidak support. Curhat. Ini curhat semua guru saya yakin yang ada di sini. Oke, mungkin Madam Irma boleh bertanya kepada Mr. Gonza juga tentang pengalaman selama pandemi. Oui, j'ai une question, enfin, même peut-être Monsieur Granger ici, enfin en Indonésie, vous n'enseignez pas, mais il y a quand même un nouveau mode de travail que nous avons enfin, en commun. Est-ce que vous pensez que plus tard après toutes ces réunions à distance autour pour nous l'enseignement à distance, est-ce que ça pourrait être riche en création pour revenir à la vie dite normale? D'ailleurs, c'est normal, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on pourrait profiter de nos expériences pendant la pandémie pour enrichir notre enseignement après en présentiel? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Comment? Enfin, comment on va le faire? Si vous avez peut-être des suggestions à nous offrir.
Monsieur Granger. Merci Irma pour cette question extrêmement difficile. Désolée. Je peux répondre en français? Risa, tu peux traduire si tu veux. Parce qu'il y a aussi des étudiants et aussi des lycéens qui sont ici, peut-être, si c'est possible de traduire en indonésien. D'accord. Et donc, quelqu'un va traduire après. Effectivement, on a été, vous l'avez dit, ma chère collègue Dini, tout à l'heure, prof Dini, on a été devant des défis technologiques, hein, des défis technologiques, des défis pédagogiques aussi. Et dans l'ensemble, nous avons tous été créatifs et surtout, nous avons agi rapidement. J'ai été impressionné par la rapidité de l'adaptation des enseignants comme des étudiants et comme des apprenants. Alors, est-ce qu'on va profiter de cette expérience? Est-ce que quelqu'un aura des bons souvenirs de cette pandémie? C'est ça la question. Est-ce qu'on aura beaucoup de mauvais souvenirs parce que des gens ont été malades? Même il y a eu des victimes dans tous les pays, donc ça restera un mauvais souvenir. On saura aussi que nous avons été privés de liberté quand même pendant plusieurs mois. On ne pouvait pas voyager comme on voulait, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, et ça, ce n'est pas très agréable pour un être humain d'être privé de liberté. Les côtés positifs, que seront les bons souvenirs? Eh bien, c'est un grand bond en avant, un grand bond en avant vers des nouvelles méthodes d'enseignement. Bien sûr, on ne va pas exactement tout garder, on ne va pas continuer à travailler exactement comme ça, mais il est certain qu'une partie, au moins, des innovations qui ont été découvertes à l'occasion de la pandémie, une partie de ces innovations vont rester même après la pandémie. C'est certain, en particulier la possibilité pour quelqu'un d'être absent physiquement, d'être présent intellectuellement, hein, en écoutant, en participant, mais d'être absent physiquement dans un cours, dans une conférence, mais aussi dans d'autres aspects de la vie quotidienne. Par exemple, même la justice est en train de se remettre en question en disant, quand il y a un procès, un tribunal, est-ce que c'est nécessaire que toutes les parties soient présentes? S'il y a un colloque, par exemple, les scientifiques font des colloques, est-ce que c'est nécessaire de faire 20 000 km pour aller participer au colloque? Ben non, ce ne sera plus nécessaire. Et ça, certainement, ce qui va rester de la pandémie, c'est qu'on n'est pas obligé de se déplacer physiquement pour profiter d'un événement, enseignement ou autre chose. Risa, tu veux ou moi je peux le faire? Vous avez le droit de résumer. De résumer, d'accord. Jadi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan siswa yang hadir, mungkin jawaban dari Bapak Philip tadi tentang apakah kita akan bagaimana ke depannya, mungkin apa yang kreativitas apa yang terjadi atau apa dampak apa dari pandemi 19 ini, COVID-19 ini, tidak ada tantangan teknologi dan lain sebagainya. Tapi beliau terkesan dengan kemampuan kita sebagai guru, kemampuan kita sebagai mahasiswa, adik-adik dan atau siswa. Teknologi. Kenangan, apakah ada kenangan yang baik yang bisa didapat? Yang pasti yang buruk pasti ada, karena ada beberapa dari kita yang kehilangan keluarganya, saya termasuk dari keluarganya. Tapi kita melihat positifnya, kita bisa meloncat mungkin ya ke depan. Ada cara-cara pengajaran yang baru, adik-adik juga mungkin menemukan cara belajar yang baru di sini. Jadi bakal akan banyak yang berubah, misalnya seminar yang guru-guru dan dosen yang suka menghadiri seminar, apakah kita harus
naik pesawat 20.000 kilo untuk ke Perancis misalnya, mungkin bisa dengan video conference, pengadilan juga sebagai apa sebagai salah satu contoh ya yang kemungkinan terjadi setelah dari pandemi ini. Begitu kira-kira ya, Pak Philip. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih, Madam Irma. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, dari kami pengurus Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis Seluruh Indonesia, kami pun memiliki sebuah video yang akan kami tunjukkan, terutama untuk memperingati Hari Internasional Pengajar Bahasa Perancis Seluruh Dunia. Berikut akan kami tayangkan video. Alors, avant de continuer notre discussion, il y a une vidéo de la comité de l'association de professeurs de français d'Indonésie. Petite vidéo à l'occasion de cette journée internationale des professeurs de français. Allez-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tri Indri Hardini, je suis présidente de l'association des professeurs de français d'Indonésie. En tant qu'association professionnelle, l'APFI a pour vision de contribuer à la politique linguistique en Indonésie, en particulier en ce qui concerne l'enseignement du français. La mission de l'association est donc d'offrir des possibilités aux enseignants de développer leurs compétences professionnelles en participant aux activités organisées par l'association, de participer en Indonésie et à l'étranger aux activités liées à l'enseignement du français et de faire partager le savoir et les expériences de ses membres, et aussi d'établir et de renforcer un partenariat entre les associations et les acteurs impliqués dans la promotion et la diffusion de la langue française. Et comme les autres associations des professeurs de français, nous fêtons aussi la Journée internationale des professeurs de français 2021 avec le thème « Le Covid-19 » et après. Excusez-moi, mais après, c'est quand après? Demain? Le mois prochain? Oh! Personne ne sait? Tu sais? Il ne pourra attendre alors. Oui, il peut vivre avec, non? Bon, en tout cas, on ne se laissera pas contrôler par le COVID-19. Exact. Je peux même tirer un profit de ce petit monstre. Je suis enseignante de français à Madison, Yogyakarta. Non? Comme vous le savez, le COVID-19 a touché tous les domaines de la vie. Les cours en ligne, tu veux dire? Il a reflété également les contraintes. C'est ça, oui, et tout ce qui vient avec. Le cours à distance est la seule solution les pour empêcher par la exemple. Propagation du conflit. La pandémie nous a exigé, en tant que l'enseignante, de créer de nouvelles techniques et médias pour transférer leurs connaissances. Le rôle des livres ou des manuels et on pourra les utiliser en classe, non? Face à face. Moi, j'ai pris beaucoup de matières dans d'accord. Les sites d'apprentissage français. Comme le TFS Monde, justement, de France, c'est le thème de réflexion suggéré par la FUPR. J'ai adapté, bien sûr, ces matières au niveau et à notre besoin. J'ai également essayé de créer la vidéo simple de l'apprentissage et les diapos. Bravo! Il faut donc qu'on se réunisse pour aborder ce sujet. De classe en présentiel, la réponse est oui. Oui, avec plaisir. Avant la pandémie, nous avons beaucoup le utilisé le manuel français. Avec, nous sommes toujours prêts à travailler. Nous avons insisté de créer les médias et aussi de surfer les sites de la Ok, berikut tadi adalah
video yang sudah diproduksi atau dibuat oleh para komite atau para pengurus Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis seluruh Indonesia. Voilà, donc tout à l'heure, c'était la vidéo de la, du comité de l'Association des professeurs d'Indonésie que nous avons faite ensemble. Oke, kita lanjutkan diskusi kita, Madam, untuk siang hari ini. Kalau tadi saya bertanya mengenai apa sih yang disukai dan apa yang tidak disukai selama pengajaran bahasa Perancis selama masa pandemi, selanjutnya saya ingin bertanya bahwa selama perkuliahan atau pembelajaran bahasa Perancis dengan metode jarak jauh, kita menggunakan wadah atau perangkat aplikasi Zoom. Nah, ada kesan bahwa para pembelajar atau siswa mahasiswa merasakan ada masa lelah nge-Zoom. Nah, apakah kesan atau apakah rasa lelah nge-Zoom ini dirasakan juga tidak oleh para pengajar bahasa Perancis? Baca. Moi je dois répondre en français ou en indonésien, Philippe? Moi je vais répondre en deux langues. Kalau rasa lelah, tentu saja kita merasa lelah itu. Tapi waktu di awal-awal, terutama kita berpikir tentang keselamatan dulu, gitu ya. Jadi demi sebuah keselamatan, kita harus tetap. On était tous fatigués. Bon, jusqu'à maintenant, on est toujours fatigués quand on travaille devant le Zoom. Mais c'est pour la sécurité, bien sûr. Il faut penser à la sécurité. C'est-à-dire, il faut oublier notre fatigue. Voilà, c'est ça. Et bon, vous aussi, je crois, tous les professeurs de français. J'ai posé la même question au monsieur Grandjean, peut-être. Bien sûr. Et, monsieur Grandet, est-ce que vous sentez la même chose? La fatigue de Zoom, même si vous n'enseignez pas, mais je crois que vous avez fait une formation avec le Zoom. Et est-ce que vous pouvez imaginer si nous, on fait ça tout le temps? Est-ce que vous pensez que la réunion Zoom, fatigue de Zoom, ça existe peut-être, cette expression? J'ai beaucoup de chance parce que justement, je n'ai plus besoin d'enseigner. Je suis un ancien enseignant et j'essaie d'imaginer qu'est-ce qu'aurait été mon quotidien si j'avais dû passer mes journées comme vous devant Zoom et devant des étudiants aussi fatigués. Nous avons quand même eu quelques réunions par Zoom et les réunions dans la bureaucratie française peuvent être assez longues aussi. Donc, j'ai une idée de ce que veut dire la fatigue Zoom et je dois dire que je crois qu'elle touche autant les étudiants que les professeurs. Et nous constatons à l'IFI, hein, nous constatons que les étudiants doivent rester très motivés pour tirer profit. Je pense qu'il y a une quantité maximum. Je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas la compter, mais je pense que pour une personne, pour un être humain, il y a un temps maximum d'attention et de concentration devant un écran d'ordinateur. Et que si on dépasse, alors je ne sais pas si c'est 5 heures ou 6 heures ou 7 heures, je ne sais pas, ça dépend des personnes, mais quand on dépasse une certaine durée, eh bien on n'est pas performant, on n'est pas attentif et surtout on ne mémorise pas. Et quand on apprend, il faut mémoriser. Et donc si on n'est vraiment pas concentré, ben on va oublier immédiatement ce qui a été dit. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Peut-être que pour les jeunes, nous avons trop demandé. On a en France, hein, par exemple, les lycées se sont dit, ben, les enfants, ils ont au lycée, ils ont 27 heures de cours par semaine. Normalement en présentiel, eh ben on va leur mettre 27 heures devant Zoom. Mais c'est trop. Je pense qu'on aurait dû être raisonnable et diminuer ce temps-là et peut-être proposer des activités plus autonomes, hein, sur du papier, les bons vieux livres en papier. Donc, on a peut-être eu tort de vouloir transposer exactement la quantité et la durée des cours. Donc, la fatigue Zoom, oui, elle existe.
Oui, elle touche aussi les enseignants, ça je peux le concevoir, mais il y a un paradoxe. Nous avons fait, il y a quelques jours, à l'IFI, une enquête, alors je l'ai là, nous avons demandé à nos étudiants qui suivent le cours en ligne actuellement, nous avons un cours en ligne national pour les IFI et les AF, et on leur a demandé de remplir un questionnaire pour savoir s'ils sont contents du cours, s'il y a des problèmes, si, ce qu'ils souhaitent. Et une des questions très importantes, c'est si la pandémie s'arrête, si on peut revenir au cours en présentiel, est-ce que vous préférez revenir dans le centrifuge, c'est-à-dire suivre un cours en présentiel, ou est-ce que vous préférez un cours à distance, ou est-ce que vous préférez un système hybride, c'est-à-dire un système où vous pouvez un peu être, enfin, venir parfois en présence et parfois à distance. Nous sommes très, très surpris par les résultats, et je vous annonce les résultats. 284 étudiants ont répondu, ce sont des étudiants de notre cours à distance. Donc, ce sont des étudiants qui comprennent ce qu'est un cours à distance et pour qui ça va, qui supportent le cours à distance. Ce n'est pas tous les étudiants possibles. Notre échantillon est très spécial, c'est des étudiants du cours à distance. Donc, 50% préfèrent le cours à distance. On leur dit, si l'IFI, Tamrin, etc., Jokja et tout ça ouvrent, qu'est-ce que vous préférez? Et 50% nous disent, je reste à la maison, je reste chez moi et j'étudie par Zoom. Donc, ceux-là, ils ne sont pas trop fatigués. 16% seulement, 16% Namblas Persen, souhaitent revenir en présentiel. Ça a été un choc pour nous, parce que nous imaginons que les étudiants sont très fatigués, il y a la fatigue de Zoom, et qu'ils veulent absolument revenir en présentiel. Ce n'est pas si évident. 16% désirent revenir en présentiel, et enfin 33%, un tiers, c'est parti gap, veulent du hybride, c'est-à-dire ils veulent pouvoir venir quelquefois en présentiel et rester chez eux de temps en temps, quand ça les arrange. On est un peu fatigué, alors, il pleut. Bon, ben, je vais suivre le cours chez moi, puisqu'il pleut, je ne vais pas aller avec ma moto sous la pluie. Ou bien, ce soir, je suis un peu fatigué, donc je vais rester à la maison. Mais je vais suivre mon cours à la maison. Ou un autre soir, ben, je suis en pleine forme, il fait beau, il ne pleut pas. Allez, je prends mon scooter, ma moto, et je vais à l'IFI suivre mon cours. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les étudiants ne sont pas totalement dégoûtés de Zoom, ne sont pas totalement fatigués de Zoom et surtout nous demandent, à nous tous, à l'IFI, mais peut-être aussi à vous dans les universités, nous demandent de la flexibilité. Et ça, c'est peut-être un grand changement. Ils nous demandent d'être souples, d'être, comme on vous dit en indonésien, flexible, c'est-à-dire flexible, et qu'on puisse s'adapter. Alors que le système académique qui existe depuis 500 ans dans les universités, c'est l'étudiant est assis, le professeur enseigne devant les étudiants. Ça fait 500 ans qu'on enseigne comme ça. Et là, peut-être que ça va exploser et qu'on a une véritable... On est au début d'une révolution de l'enseignement parce que, comme je le disais, il n'est plus nécessaire d'être présent physiquement et même l'utilisateur pourrait choisir ce qui l'arrange, ce qui est confortable pour lui. Je suis mon cours à la maison ou dans la salle ou dans l'université. Bon, j'espère que personne n'est chargé de traduire parce que c'est impossible. Okay. Non, c'est bon, c'est possible de la résumer en deux, trois mots. Bien sûr. Ok. Intinya, loh. jadi intinya kata Monsieur Granger, dan itu mungkin dirasakan sama adik-adik ya, mahasiswa dan siswa di sini. Perkiraan kami 17, kalau di Perancis itu 27 jam per minggu untuk SMA.
dan di sama mungkin di segitu juga ya, 20 jam sampai 22 mungkin per pekan, dan itu kita semua menerjemahkannya seperti yang tadi Pak Philip bilang, mengatakannya berarti sama dengan 20 jam di depan layar kita semua jadi ada kayak seperti jet lag mungkin ya, jadi mungkin sebetulnya bukan itu, dan karena entah di sini ada yang psikolog atau tidak, ada batas tertentu dalam satu hari yang kita butuhkan, dan kalau melampaui batas tersebut mungkin kita akan sulit berkonsentrasi, dan akhirnya seperti yang tadi Madam Dini katakan, kita nggak tahu kita sebenarnya siswa kita itu paham atau tidak. Tapi yang agak kita katakan lelah nge-zoom, capek nge-zoom gitu ya, otak kita, kalau di IFI sendiri mereka melakukan angket, apakah nanti kalau misalnya pandemi berhenti akan datang dari 284, 50%-nya mengatakan justru inginnya online saja, secara daring saja. Hanya 16% yang mengatakan ingin langsung datang ke tempat, dan 33%-nya lebih memilih hybrid. Dan itu sekarang sudah mulai di beberapa universitas, di beberapa sekolah juga. Tapi mungkin yang akan terbawa menurut Pak Philip, kita semua mungkin butuh adanya fleksibilitas. Kita butuh menjadi fleksibel, karena mau tidak mau akan ada revolusi dalam hal bidang pengajaran, entah itu formal atau informal, di mana siswa yang ingin belajar atau mungkin guru juga ingin fleksibel, tidak harus ke kampus, tidak harus ke sekolah kalau misalnya ada halangan, tapi tetap pembelajaran tetap bisa berlangsung, begitu kira-kira. Betul, terima kasih banyak Madam Irma. Sebagai pengajar sendiri nih Madam, bagaimana rasanya dengan kuliah online? Aduh, jangan ditanya, nanti curhatannya bisa satu jam. Jadi cukup mengagetkan ya angkanya, ternyata kalau di IFI sendiri 50% siswa-siswa yang sudah mengikuti kelas secara online, mereka memilih atau mereka bahkan memiliki preferensi untuk terus melakukan perkuliahan atau pembelajaran bahasa Prancisnya secara daring ya, dibandingkan langsung datang. Mager. Karena sedang nyaman mungkin jatuhnya. Mager, malas. Iya, jadi tidak perlu keluar rumah, tidak perlu naik motor, tidak perlu naik mobil, jadi dari rumah saja langsung. Oke. Itu bincang-bincang sesi pertama kita untuk kali ini. Kita akan lanjutkan, namun sebelumnya kita akan mengikuti kuis terlebih dahulu. Jadi kita memiliki kuis nih yang akan memiliki juga hadiah-hadiah yang sangat menarik untuk para pemenangnya. Untuk kuis kali ini kita akan memanggil Madam Ariesa Ramadhani, dosen pengajar Bahasa Perancis di Universitas Pendidikan Indonesia, untuk dapat memandu kuis yang akan dilaksanakan. Oke. Okay. Donc Reza, c'est notre principal événement, non? Bien. C'est pas le talk show, mais c'est plutôt le quiz. Donc madame Icha, notre master de quiz va nous guider pour cela. Oke. Okay. Baik, terima kasih Monsieur Reza dan Madam Irma pada kita pada hari ini. Saya Arisa Rahmadani yang akan memandu kuis kita pada kegiatan ini. Baik Ibu Bapak dan teman-teman, kita memiliki dua sesi kuis untuk kegiatan ini. Sebelum kita memulai permainan, saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, setiap sesi kuis ini akan ada 10 pertanyaan pilihan ganda melalui kuisis. Jadi saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman sudah mulai akrab nih dengan permainan menggunakan kuisis. Kemudian, ketika nanti bergabung dalam kuis, tolong untuk menuliskan nama lengkap, juga asal institusi. Misalnya, saya Arisa Rahmadani, kemudian Strip UPI. Lalu saya menyarankan Ibu Bapak dan teman-teman untuk menggunakan gawai
atau handphone agar lebih cepat menjawab, karena kita akan menentukan pemenang siapa tercepat dan tertepat jawabannya. Ada 10 pemenang yang akan kita ambil untuk setiap sesi. Dan bagi pemenang di sesi pertama, tolong untuk tidak mengikuti lagi komenan di sesi kedua ya. Jadi kita akan bagi-bagi untuk teman-teman yang lain. Dan setiap pemenang nanti tolong untuk melakukan tangkapan layar di klasemen yang berisi nama teman-teman. Oke, langsung saja ya kita mulai. Silakan Ibu, Bapak, dan teman-teman bisa bergabung di tautan yang terdapat di kolom chat. Atau bisa langsung masuk ke tautan krisis. Oke. Peserta kita cukup banyak ya, Madam Ica, untuk siang hari ini. Ada lebih dari 200 orang nih. Iya, berarti nanti kalau sudah sampai 100, langsung saya mulai. Karena agak ngeri-ngeri nih. Lagi banyak peserta. Nah, tolong untuk menulis nama lengkap. Ica, suaranya kurang jelas, Ica. Sekarang sudah lebih jelas suara saya? Sudah. Baik, teman-teman tolong untuk menuliskan nama lengkap dan asal institusi ya, supaya nanti panitia juga mudah untuk mengecek kembali. Oke, jadi caranya masuk ke joinmyquiz.com ya? Iya. Kemudian masukkan kode permainannya yang ada di situ. Betul. Atau bisa langsung klik tautan yang sudah saya kirim di kolom wicara tadi. Oke, semoga pertanyaannya tidak sulit untuk dijawab ya, Madam Ica ini. Sepertinya sih tidak, walaupun cukup banyak bahasa Perancis, karena kan memang kita merayakan Hari Guru Bahasa Perancis ya pada hari ini. Tapi saya rasa teman-teman pasti bisa menjawab. Baik dari para prof, kalau para prof sih saya yakin bisa ya. Ataupun teman-teman SMA, dan para mahasiswa juga. Kira-kira ada berapa pertanyaan nih, Madam Ica, untuk quiz yang pertama ini? 10 pertanyaan. 10 pertanyaan dan akan ada 10 pemenang. Oke. Okay. Langsung kita mulai saja ya. Sudah ada 100 nih. 4. Nah, ini akan bertambah terus sepertinya. Kita langsung mulai ya. Baik. Oke, ada 123 peserta ternyata yang masuk. Ini kalau yang ngajar bahasa Prancis nggak tahu singkatannya nih. Waduh. Saya menangis. Baik, oke, singkatan PPPSI. Oh, Malaysia. Oh, ada Chelsea Salimah itu. Iya. Ada masih 71 ada orang. Ada, masih ada 18 dan 3 orang yang menjawab salah. Oke. Jadi PPPSI ini singkatannya adalah apa, Mas Reza? Mungkin bisa diberitahu? Reza nggak tahu lagi. Perhimpunan, ya apa? Penghimpunan pengajar Prancis. Bahasa Prancis Indonesia. Oke. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini juga mudah sekali ini harusnya pertanyaannya. Yang sering kita dengar juga ya mungkin, Madam Ica. Iya. Oke. Kayaknya 100% nih, betul semua nih. Harusnya ya. Kalau pertanyaan tadi yang menangis Madam Dini, kalau ini salah, ini Monsieur Grand yang menangis. Yang menangis kayaknya. Masih ada ternyata. Masih ada yang salah, oke. Masih ada yang salah. Aduh, gua, ya, untung ada yang jawab ya. Goto sih. Langsung nih, yang ketiga.
Oke. Kali ini APV-nya. Kalau tadi PPPSI, sekarang APV. Tinggal diterjemahkan ya, ini dalam bahasa Perancisnya. Itu saya udah sebut berapa kali tadi. Betul, perhimpunan dalam bahasa Perancisnya. Oke, okay, masih memimpin. Hayin. Oke, masih ada yang salah loh. Ada yang salah karena agak-agak ada yang menjebak ini di bagian. Jebakannya parah sekali. Banyak yang terjebak. Jadi okay. selain ya, cepat ya, harus tepat, betul, cepat dan tepat. Oke, okay, kita lanjut. Musiknya horor sekali sih. Nah, okay. Philip, coba diperhatikan foto si Philip Grange baik-baik ya. Portrait. Apakah Monsieur Grange porte des boucles d'oreilles? Philip ne va pas porter plainte ya, Monsieur ya. Oke. Il faut bien regarder ça. Kalau fotonya tidak terlihat, videonya Monsieur Philip nih. Oke, ada dari Wendy. Oke, pakai ya, Monsieur Philip Grand Chapeau de Lunette. Gak ada shampoo ya? Bayangan atau ada yang jawab book bahwa itu mungkin nggak kelihatan sih. Mungkin di belakang telinga jadi nggak terlihat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Parah banget. Oke, masuk lima ya. Kelima ini. Oke. Ini kayaknya buat yang awal-awal belajar bahasa Prancis ya, Mbak Anita? Iya, betul. Jadi, saya rasa semuanya bisa menjawab. Sama adik-adik yang di SMA. Oke. Siapa? Yang ada yang salah. Harusnya enggak ada yang salah. Ada ya. Jawabannya cuabit. Oh, ada yang cucuk ladush. Oke. Bisa. Secara maknawiah bisa. Oke. Kemudian selanjutnya. Mungkin enggak ada air itu makanya mau. Kita ke TV mandinya ya. Oke. Selanjutnya. Ica, master of quiz. Nah, nanti kan gambarnya ya, jangan terkecoh. Omong, songjet dakal ya. Salah. Kalau saya sih omong sebala-bala. Last resort. Oke, okay. Oh ada Gita menyusul. Oke, okay, dekrep. Oh ada satu orang yang jawab dadar gulung. Dadar gulung. Memang kalau bahasa Indonesia dadar gulung, tapi salah pencet itu. Iya seperti itu. Salah pencet kayaknya salah pencet. Oke, okay, ada juga yang depatat dus cilembu. Nanti kita bawa ke Prancis supaya orang Prancis makan ubi cilembu. Okay. Mungkin itu Prancis dekat sama Sumedang ya, Gita. Oke, okay, pertanyaan ketujuh. Ini penjumlahan, tapi sangat sederhana. Oke. Okay. Wah, cepat banget nih jawabannya. Pintar semua, pintar matematika ya. Kita lihat. Oke. Okay. Masih memimpin Hayin. Betul. Oke, okay, betul. Jawabannya masih ada yang salah juga. Oke, okay, mungkin itu terkecoh. Baik, pertanyaan ke 8.
Kita menyusul Hayim. Oke, mari ya. Jadi Sophie Sang bukan Catherine Deneuve, bukan Sophie Marceau yang memang terkenal dari Prancis. Okay. Tapi bukan itu yang kami maksud. Pertanyaan 9. Mungkin yang jawab Sophie Marceau itu suka nonton ya, kan? Rasanya film jadi. Indonesia Raya. Nah, ini ada. Matikan itu. Oke, itu potongan lagunya tadi. Oke. Okay. Itu videonya nggak ada judulnya tuh. Kayaknya ada yang kecoh nih pada muncul kalian ini. Iya. Wow. Bravo. Bravo Gita. Oke. Okay. 54 orang. Hanya terbagi 3 ya jawabannya. Iya, memang agak mengecoh. Sekarang kita sampai ke pertanyaan terakhir. Iya, berarti terakhir ini yang menentukan ya siapa yang juara 10 orang terbaiknya ya. Ya, siap-siap untuk menangkap player juga ya teman-teman. Nah, kalau ini mungkin kalau yang jawabnya salah. Yang dari UPI yang salah. Dicat. Harus dipecat nanti ya. Mantap. Oke, kita Hooray. Lihat 10 besarnya. Oke. Betul, President de la FI. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat ya klasemennya. Tadi sudah terlihat sih ya, sekilas. Mm-hmm. Siapa yang ada Oke, di Oke, siap-siap untuk klasemen. Mengambil tangkapan layar. Oke, selamat kepada Gita, Hayim, dan Arikus. Arikus. Yeay, Madam Ari, bravo Madam Ari. Oke, yang kita lain. Sudah dapat ya. Bravo, Mbak Gita. Bravo. Bravo. 10. 10 kan ya? 10 ya? Ya, 10. Ini ya. Oke. Okay. Hingga, oh Nabila Amartya. Jadi dari Gita hingga Nabila. Oh, mohon maaf ini. Sepertinya Gita dan Haini bilangnya suara sama. Terus, jadi sampai nomor 9. Sampai Oke. Sampai nomor 9 ya, Madam Ica. Kasihan Nabila itu. Ya, sayang Nabila nanti ikut lagi ya. Selamat Nabila. Oke, teman-teman, saya akan mengirimkan tautannya sebentar lagi di kolom bicara dan jangan lupa untuk mengisi bagi para pemenang. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pewara kita. Sampai jumpa di kuis yang kedua. Oke, merci beaucoup. Terima kasih banyak, Madam Ariesa, untuk kuisnya. Pasti masih pada menunggu nih untuk kuis kedua. Seru, seru. Yang kuis kedua, kami, saya dan Reza boleh ikutan, Madam Ariesa. Kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, Madam Irma. Saya bisa. Oke, jadi itu kuis. Jadi nanti masih ada kuis lagi dengan hadiah yang sangat menarik. Selanjutnya, ada hal yang sangat kita tunggu-tunggu juga untuk hari ini, yaitu pengumuman
pemenang lomba peringatan Hari Pengajar Bahasa Prancis Sedunia. Nah, untuk lombanya sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori siswa SMA, SMK, dan MA, kemudian kategori mahasiswa, dan yang ketiga yaitu kategori pengajar bahasa Prancis. Nah, Oui, allez-y. Donc, pour cette session, nous allons annoncer, c'est ce que nous attendons tous, annoncer les gagnants du concours organisé par l'APFI pour notre journée internationale des professeurs de français. Et donc, il y a trois catégories. La première catégorie, c'est pour les lycéens, SMA, SMK et Madrasa Alia. Ensuite, pour les étudiants d'université. Et la troisième catégorie, c'est pour les professeurs de français, professeurs de lycée et professeurs d'université confondus. Oke, kami akan mengumumkan terlebih dahulu untuk kategori SMA, SMK, dan MA. Siapa saja pemenangnya? Nous allons annoncer pour les lycéens. Oke. Et voilà. Selamat kepada Amanda Kartika. Dari Bonjour à tous, je m'appelle Amanda, j'ai 15 ans et je suis lycéenne de SMA N de Denpasar. À mon avis, c'est une bonne occasion d'apprendre le français à l'école, comme j'ai une possibilité de connaître l'autre langue étrangère que l'anglais. Ce que j'aime pendant le cours de français, c'est la façon d'enseigner de mon professeur. L'autre avantage d'apprendre le français, il y a beaucoup de possibilités de continuer les études à l'université française. Et aussi, en comprenant bien le français, je pourrais échanger les connaissances sur la culture de mon pays avec les étudiants français et bien sûr, je pourrais travailler en France. Bonjour. Ya, dilanjut saja. Ilmi. Oke, silakan dilanjutkan saja untuk video pemenang yang keduanya. Gak bisa karena hal itu penulis ini karena pengucapan SMKN Fenwid Jakarta. Menurut saya, pembelajaran bahasa Prancis di sekolah saya seru dan unik karena pengucapannya lumayan berbeda dari penulisannya. Karena hal itu, saya ingin belajar. Hal ini juga bisa membuat saya ingin menjadi lebih tahu tentang negara Prancis. Dan cara belajar di sekolah saya menyenangkan loh, karena Madam Lely, guru bahasa Prancis saya, asik dan sangat sabar ketika muridnya salah pengucapan kata. Dan alasan saya masuk klub French ingin memperdalam bahasa Prancis. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Astrid Febrianti. Je 15 ans. Je suis lycéenne de lycée public Jogoroto Jombang en première année. Je commence à apprendre le français depuis juillet 2021. À l'occasion, le jour du professeur de français 2021, je vais raconter l'apprentissage de français à mon école. En raison de la pandémie du COVID-19, l'apprentissage à mon école se déroule à distance. Au début, je fais la difficulté d'apprendre le français. Parce que pour moi, c'est une nouvelle chose. Mais notre professeur est super. Elle nous a appris beaucoup de choses. J'aime sa méthode dans l'apprentissage du français. D'après moi, c'est cool et intéressant. Elle utilise les médias d'apprentissage variés. Par exemple, les médias sociaux d'Instagram,
les plateformes Google Classroom et WhatsApp Group pour se communiquer. Elle utilise aussi les images, les vidéos, les documents sonores pour faire habituer de pratiquer le français. Plus, notre professeur nous enseigne d'être discipline et responsable. Nous devons faire le devoir au projet à l'heure. Pendant le cours, notre professeur met en pratique l'approche active pour l'évaluation. Nous travaillons sur la fiche apprenant et aussi le quiz. Tandis que pour la production orale, nous créons la vidéo créative et nous devons la télécharger sur l'Instagram. Nous écrivons les phrases et les petits textes pour la production écrite. Tout est intéressant pour moi. Finalement, notre professeur nous encourage toujours de pratiquer le français, même que nous sommes débutants, et aussi de participer au concours de français. Le français est chouette. Voilà, c'est tout. Merci et au revoir. Ok. Oke, okay. Bravo. Kita ucapkan kepada Amanda, Kartika, Astrid, dan Nur Mutiara Ramadhani. Oke, okay. Madam Irma, mungkin kita akan bertanya terlebih dahulu. Di sini mungkin ada Amanda, Kartika. Apakah Amanda hadir untuk pertemuan kita pada siang hari ini? Eske Amanda Ella. Atau mungkin ada gurunya juga dari SMA N2 Denpasar? Si, je crois que je vois Amanda ici, Reza. C'est vrai? Oui, enfin, je ne sais pas le nom, est-ce que c'est la même que d'autres personnes, mais Amanda Kartika. Il y a deux Amanda Kartika. Il y a son professeur peut-être. Ah, de professeurnya mungkin, dari SMA N2 Monsieur... Denpasar. C'est pas Monsieur Ahmad Karim? Amin. Eh, Kak. Amin, oui. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, il travaille peut-être. Non, il n'est pas là. Atau mungkin Astrid di sini bergabung dengan kita juga dari SMA Jombang. Astrid. Mais j'ai vu son prof ici. Oh, d'accord. Oke, okay. Mungkin kita bisa bertanya kepada profnya langsung di sini. Jombang ya. Astrid, je crois que tu es là et Madame Ari. Oui, je suis là. SMA Negeri Jogoroto. Astrid ada kok di sini hadir. Oke. Okay. Bravo, Madam Ari. Astrid ada gabung di Zoom ini. Okay. Astridnya ada, Madam. Ya, Astrid. Astrid hadir, hadir. Là? Hadir, tapi okay. Kayaknya malu-malu ya. Bonjour, Astrid. Nah, itu ada Astrid. Astrid, berasa di kuliah ya manggil mas. Ada nih Astridnya nih. Ada. Masya Allah, bravo Astrid. Merci madam. Kita pengen sedikit tanya-tanya nih ke Astrid. Astrid, sekarang kelas berapa nih Astrid? Kelas 10 SMA. Kelas 10, jadi baru belajar bahasa Perancis banget ya? Iya. Yeah. Oke, okay, selama ini. Pronunciation-nya bagus sekali. Très bonne prononciation. Merci. Bravo. Jadi kesan-kesannya Astrid belajar bahasa Perancis gimana nih Astrid? Kesan-kesannya memang awalnya bagi aku itu sulit banget karena kan nggak pernah belajar bahasa Perancis. Tapi semenjak SMA ada pelajaran bahasa Perancis, ternyata juga menarik dan asik sekali. Pasti yang ngajarnya gurunya menarik kali banget yang nih. Asik ya. Gurunya sepertinya yang asik. Oke, merci beaucoup Astrid. Selamat kami ucapkan sekali lagi. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo Astrid. Oke, kita akan lanjut ke kategori yang kedua. Silakan Madam Irma. Alors, pour la deuxième catégorie, c'est la catégorie des étudiants de l'université. N'est-ce pas? Exactement. Donc, j'invite à l'opérateur de passer, de montrer les gagnants. Ya, s'il vous plaît. Quoi, ini, ya, catégorie. Untuk catégorie ya, catégorie étudiant. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Pasti deg-degan. Oke, bravo. Dua orang, tiga orang nih ya. Ya. La troisième prix, il y a trois étudiants parce que Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Momtaza, je suis étudiant d'études de français à l'Université Negri Semarang. Cette vidéo est ma participation au concours Jour Prof Indonesia 2021. À mon avis, le français est une chose nouvelle pour moi et jusqu'à présent, j'aime l'apprendre. Parce que les professeurs sont sympathiques et professionnels sur donner de matériel en français. Le français, ce n'est pas seulement apprendre la langue, mais aussi apprendre la culture française, ce qui m'a donné une nouvelle perspective sur l'un des pays d'Europe. En raison du COVID-19, les étudiants et les professeurs ont dû apprendre à enseigner le français en ligne avec Elena Zoom, Google Meet et WhatsApp. De plus, via le groupe WhatsApp, les professeurs et mes amis ont le programme d'étudier français à l'Université Negri Semarang sont aidés à améliorer mes compétences en français. Cela m'a donné de l'enthousiasme pour l'apprendre. Le français peut m'aider à continuer mes études ou à y travailler. Donc, mon opinion de l'expérience d'apprentissage de français en ligne à l'Université Negri Semarang. Merci pour votre attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, je m'appelle Wedanisi, je suis étudiante du département de français à l'UPI. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur mon expérience d'apprentissage du français dans mon université. D'après moi, le français est une belle langue. Mais apprendre le français est un défi. Non seulement la prononciation, mais la structure est également difficile. Le français semble difficile à apprendre. D'après mon expérience, apprendre le français est épuisant. En raison de la pandémie, nous devons apprendre via des réunions en ligne. Nous utilisons des manuels, des cahiers d'exercices, des vidéos, de l'audio, des chansons ou des films. Dans la classe, nous apprenons de nouvelles choses, faisant des exercices et des vidéos. En apprenant le français à l'université, j'apprends aussi à être courageuse. Je crois en moi parce que je veux parler agak nge-lag ya. Jago-jago ya ini Madam Irma bikin videonya. Kreatif sekali. Saya pikir saya nggak gaptek, tapi ternyata melihat ini saya gaptek. Merasa gaptek. Nggak jadi sombong. Pertama yang tadi nih, yang pertama bikin animasi itu wow. Wow sekali ya. Nanti saya minta L, anak saya, untuk bikinkan. Est-ce que Sarah, bon, c'est pas grave, je crois qu'on est, on a un peu de problème. Oui, est-ce que Sarah peut-être est là, Sarah Momtaza? Oui. Sarah Momtaza, apakah ada bersama kita pada siang hari ini dari Universitas Negeri Semarang? Ou le professeur de Kaprodi. Sarah Momtaza. Je crois okay, pas qu'elle est là. Je crois qu'elle n'est pas là. Oui. Mais peut-être Wida Ningsi. Ada Wida Ningsi? Juga. Wida Ningsi? Oke, kita akan tanya-tanya. Oke, ada ternyata di sini. Widya. Bonjour, hey, Wida. Bonjour. Bonjour, Wida. Bonjour, felicitations, Wida.
Wah. Wida nampaknya masih kaget dan surprise sekali. Oke, Wida mungkin boleh kita tanya-tanya terlebih dahulu, Wida. Oke. Monsieur Granger, peut-être vous voulez poser des questions. Oh, bien sûr, oui, oui. Monsieur Granger, votre micro. Wida est là, hein, d'accord. Vous m'entendez, Wida? Wida Ningxi? Oui. J'ai une question très simple pour vous. Quel est votre mot préféré en français? Et pourquoi? Votre micro, Ida. Simple, mais philosophique. Sedang berpikir mungkin. Wida yang train de réfléchir. Quel mot de français? Le temps de mot français. Un mot français préféré. Voilà, choisissez un mot français, Wida, que vous préférez. Pilih satu aja yang menurut Wida paling oke. Wida. Bonjour. Bonjour. Oke, bonjour. Karena menjadi awal dari semuanya, pembuka cerita. Pembuka cerita. Oke. Okay. Oh, c'est joli. C'est très chouette. C'est joli. Bonjour. 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 Mungkin bonjour yang pertama dari Madam Dini, mungkin Madam di kelas. Merci. Oke. Okay. Merci Wida. Merci Wida, félicitations. Merci. Apa ya Wida, malu-malu ya madam. Merci Wida. Oui. Oh, ça y est, elle a disparu. Nampak sangat malu-malu seperti saya. Oke. Okay. Voilà, oke, okay, donc merci beaucoup. Jadi tadi kita sudah mendengarkan dan sudah melihat juga para pemenang lomba peringatan Hari Bahasa Perancis, Hari Pengajar Bahasa Perancis Sedunia, kategori siswa dan mahasiswa. Madame Irma? Oh, pardon. Oui, nous avons donc tous vu concours organisé par l'Association des professeurs de français d'Indonésie. Oke, okay. Untuk selanjutnya, voilà. Jadi kategori yang terakhir yang itu tentang pengajar bahasa Prancis nanti akan kita umumkan setelah bincang-bincang kita sesi kedua. Jadi masih ada kuis dan masih ada pengumuman lomba. Oke. Okay. Selanjutnya ada pertanyaan kalau tidak salah di chat. Ya. Yeah. Jadi kita pun membuka pertanyaan, boleh dicek oleh Madam Irma mungkin. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kita pada siang hari ini. J'ai une question de la part de ici de la part de Monsieur Imad Mulia Rafi, Monsieur Rahmat Mulia. Bonjour Madame Dini et Monsieur Philippe, moi Imad de SMKS PGRI Rangkas Bitung. C'est une question. Est-ce qu'il y aura des surprises de l'IFI et de la FI? Bah, des surprises, on va pas annoncer. Et de la FI, c'est une surprise pour les enseignants de français après la disparition de COVID à 19. Pourquoi les enseignants aient toujours le courage d'enseigner le français? Peut-être un programme pour 2022. Oke, mungkin bisa langsung dijawab saja, Madam Irma, untuk yang pertanyaan pertama. Jadi siapa mau? Madam Dini. Madam Dini. Oke, mungkin kita bisa ngundang, walau Ong Navid, Musi Imad. Musi Imad. Musi Imad, ada? Aku kira lah. Oui.
Voilà. Ah non, il est pas là, tiens. Ah, bonjour, Monsieur Imad. Halo. Bonjour. Bonjour, Madame Dini. Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour. Je suis content d'être ici. Merci. Ok. Allez-y, boleh langsung ditanyakan saja, Monsieur Imad. Quelle surprise que vous attendez exactement, Pak Imad? Bon, pour le programme 2022, par exemple, il y a toujours des programmes pour des professeurs de français, bien sûr, et qu'on ait toujours l'habitude. On a l'habitude d'utiliser le Zoom, par exemple. On va créer, on va organiser toujours le CIF, par exemple, la conférence internationale sur le français. Et aussi, il y a des rencontres virtuelles. Mais pour vous, Pak Imad, je vous donne un petit cadeau. Ah, merci. Parapluie. Merci beaucoup, Madame Dini. Parapluie de Livy. Avec le logo de la PI, Pak Imad. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avec plaisir. Philippe, peut-être, est-ce qu'il y a aussi des surprises de Livy, par exemple? Alors, comme l'a dit Irma, les surprises, on ne le dit pas à l'avance. Un exemple de surprise, c'est quand moi, j'arrive à vélo chez vous. C'est déjà arrivé à M. Imat. Un jour, il a vu un attaché de coopération pour le français qui arrivait à Rancas Bitung à vélo. Ah oui. Mais plus sérieusement, ce n'est pas des belles surprises. On va proposer des formations, c'est notre rôle, on va proposer des formations aux professeurs de lycée, aux professeurs des universités. Je donne juste des exemples, on va proposer aux professeurs des universités qui le souhaitent de préparer le C1, le DALP C1, et on va proposer aux professeurs des lycées un club de conversation. On a déjà commencé, ça marche bien, on va proposer à nouveau club de conversation, alors c'est encore par Zoom, mais où on va pouvoir pratiquer le français, car quelquefois les professeurs de lycée, ils n'ont jamais l'occasion de pratiquer le français avec leurs élèves. Ben, ils vont apprendre bonjour, je m'appelle, blablabla, mais c'est très limité, et petit à petit ils oublient un peu le français. Donc on va leur proposer une formation qui n'est pas une formation très formelle et très sérieuse, mais pour parler, discuter, faire des débats, poser des questions, faire des exposés pour entraîner votre compétence en français à l'oral, production orale. Et puis, bon, on aura d'autres formations, mais je ne vais pas les détailler maintenant. Bon, alors, vous allez me dire, ce n'est pas des surprises très drôles. J'ai l'impression que monsieur Imat, il attendait des surprises jolies, et je lui parle de formation. Ce n'est pas très excitant. Mais on ne sait jamais. C'est excitant. La vie elle-même est pleine de surprises, alors on verra. Oui. Merci, la formation en France, c'est excitant, en fait. Alors, je ne sais pas. Est-ce que la France existera encore? Je ne suis pas. Et ensuite, est-ce que le gouvernement français me donnera assez d'argent pour acheter des billets d'avion? Ça, ce n'est pas moi qui décide. C'est vrai. Bien sûr, si je rencontre le président de la République, je lui demanderai respectueusement de nous donner un peu plus d'argent, mais l'époque n'est pas vraiment à la dépense. Hein, donc, on est plus un petit peu polite en ce moment. Hein. Voilà. Mais c'est pas les Indonésiens qui le disent. Sedikit aja pelitnya ya. Pardon. Sedikit aja pelitnya, Pak. Oui, sedikit aja. Merci Carita de corriger. On fait ce qu'on peut avec les moyens financiers que nous avons. Donc, je ne peux pas vous promettre à tous un billet d'avion pour aller passer un mois en France. J'aimerais que ce soit possible et j'aimerais piloter moi-même l'avion, d'ailleurs, pour vous emmener tous. Ce serait sympa. Mais voilà, il faut être réaliste. Ce ne sera pas... Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la formation, ça va, le monde va changer. On est
n'est pas à la fin d'une crise, mais on est au début d'une révolution. Et ça veut dire que les formations, elles vont être à distance. Et que le gouvernement français va nous dire « c'est pas nécessaire d'envoyer des enseignants indonésiens en France, ils peuvent suivre une formation par Zoom. » Et là, je sens que Imat, il est moins enthousiaste, déjà. Et moi, je leur dis, je deviens sérieux, enfin, je crois que dans sa carrière, il faut que tous les professeurs de français visitent la France au minimum une fois. Mais malheureusement, voilà, on n'a pas les moyens financiers d'assurer cela. Bon, on espère et j'espère vous annoncer des bonnes surprises un jour. D'accord. Merci. Terima kasih banyak Pak Imat atas pertanyaannya. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, wala kita akan masuk ke sesi bincang-bincang sesi kedua ya, Madam Irma. Oui, très bien. Donc nous allons passer à la deuxième session, c'est ça de notre discussion. Oke, kalau tadi di sesi bincang-bincang sesi pertama kita membahas mengenai bagaimana pembelajaran pada masa pandemi. Nah, untuk saat ini kita akan membahas atau kita akan bertanya mengenai masa proses pembelajaran setelah masa pandemi. Apa saja sih sebetulnya? Avant c'était pendant la pandémie, nous avons parlé l'apprentissage de français spécifiquement pendant la pandémie. Maintenant, nous allons passer à qu'est-ce qu'on va faire et après pandémie. Après, qu'est-ce qu'on va faire après la pandémie? Oke, pertanyaan pertama mungkin akan saya ajukan ke Madam Dini. Madam, menurut Madam, aspek-aspek pembelajaran jarak jauh apa sih yang dapat kita pertahankan untuk pembelajaran masa setelah pandemi nanti. Jadi menurut pengalaman Madam, apa saja sih yang dapat kita pertahankan? Baik, pandemi nanti sudah bakal menjadi endemi, ya. Jadi kita akan berhadapan terus, gitu. Sehingga aspek positif yang terjadi selama pandemi itu bisa kita pertahankan, seperti misalnya kuliah hibrid seperti tadi yang Pak Philip sampaikan, gitu ya. Komodal yang itu lebih positif komodal tadi, ya. Kelkizipsion kif qui sont ici, et aussi qui sont en ligne, par exemple. Tetapi memang harus diperhatikan kaitannya dengan kreativitas. Ya, guru itu harus kreatif. Jadi jangan sampai yang digunakan itu yang membosankan mahasiswa misalnya. Ya. Jadi kita dulu harus kreatif. Membuat, tadi mahasiswa luar biasa itu ya, mereka membuat video dengan sangat kreatif. Nah, gurunya juga para dosen bisa harus kreatif. Nah, itu kreativitas harus kita pertahankan. Itu yang penting ya. Jadi sehingga bisa kita teruskan ya, bahkan mungkin menggali kreativitas kita ya dengan berilmu gitu. Seperti misalnya waktu kita pelatihan micro learning, bagaimana kita membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, itu penting pertahankan. Tapi tentu saja ada hal-hal tertentu yang membutuhkan kehadiran mahasiswa langsung gitu ya, mudah-mudahan dengan pembatasan dan menjaga protokol kesehatan kita bisa tetap melaksanakan perkuliahan luring. Berjaringan, betul. Mungkin Monsieur Grange, vous voulez ajouter quelque chose aussi? Donc oui, dans l'apprentissage de français. Là, maintenant, ce que nous sommes en train de faire maintenant, parce que ce n'est pas tout le monde, je crois, qui toutes les universités ou toutes les écoles qui font en présentiel, quelles sont les choses ou les activités qu'on fait maintenant que peut-être on va garder plus tard, après la, pendant l'endémie. C'est pas la pandémie, pendant l'endémie.
D'accord. Alors, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me place maintenant du point de vue des enseignants. Bon, bien sûr, on va continuer à utiliser plus ou moins ce qu'on a appris à faire. Mais il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui a apparu pendant cette pandémie. Ce sont des concurrents. Nous avons des concurrents. Nous, les enseignants, voilà. Vous, Alifi, mais aussi nos collègues des universités et peut-être aussi les collègues des lycées, nous avons de nouveaux concurrents. Et le monde est en train de changer. Je le répète, nous sommes au début d'une révolution. Nous avons des concurrents qui sont des professeurs, des enseignants, plus ou moins qualifiés. On ne connaît pas leurs qualifications, leurs compétences. On peut avoir des doutes, mais ils sont prêts à vous prendre votre travail. Oui, ils sont prêts à vous prendre votre travail. Ils ont commencé. Et ils ont commencé avec des plateformes en ligne qui s'appellent par exemple Superprof ou Chakap.com. Hein, voilà, il y en aura d'autres, hein, certainement. On m'a signalé OTCA.com, etc. Alors, il y en a. Et en fait, ils sont. Qu'est-ce qu'ils font? Vous connaissez tous Superprof, c'est-à-dire qu'ils proposent du temps de travail. Et les étudiants, les élèves, peuvent acheter du temps de travail d'un enseignant. C'est-à-dire, ils peuvent acheter 5 heures de cours particuliers de français à un enseignant. Si ça leur convient, ils continuent ou pas, etc. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est parce que nous n'avons jamais eu de concurrence. L'éducation nationale en France ou en Indonésie, c'est vraiment des monopoles. C'était des monopoles. Et ce monopole est en train d'exploser. Et nous allons avoir des concurrents. Nous les sentons à l'IFI. Nous venons de voir notre nombre d'étudiants du cours à distance. On a monté jusqu'à 700 étudiants. On a des sessions de 4 semaines. 700 étudiants. Et là, on est en train de baisser 600. 500. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour les niveaux débutants, nous avons moins de niveaux débutants, le niveau A1, et nous avons toujours autant le A2, B1, B2, c'est stable. On a un nom. Mais c'est le niveau A1 qui diminue, qui diminue, qui diminue. Pourquoi? Ben parce que nous avons des concurrents. Nous avons des concurrents parfois des jeunes professeurs, parfois vos étudiants, qui vendent leur temps de travail d'enseignant sur, par exemple, Superprof. Et beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Moi, j'ai vu une offre sur un de ces sites, je crois que c'est le site Ocha.com, je ne sais pas, à 19 000 roupies. Rupiah par jam. Comment voulez-vous? Nous, on fait payer 40 000 roupies. L'IFI fait payer 40 000 roupies par heure et par enseignant. Par heure et par étudiant. Hein. L'étudiant paye 40 000 roupies par heure. Et nous avons des concurrents qui proposent 19 000 roupies, hein, la moitié. Et donc, c'est une concurrence. Alors, pour le moment, c'est l'IFI. Vous, vous dites, oh, à l'université, on est tranquille. L'université a le monopole. Vous vous dites, au lycée, au SMA, etc., au MAN, etc., oh, on a le monopole. Mais attention, les monopoles sont faits pour exploser. Et qu'est-ce qui empêche demain des professeurs qui sont à l'étranger, des jeunes profs de français qui sont en France, qui sont au Maroc, qui sont en Afrique, qu'est-ce qui les empêche de proposer leurs services à vos universités? Alors, ne pensez pas que, oh, de toute façon, on va gagner parce que eux, c'est des boulets, ils sont trop chers, et nous, on... c'est pas évident. Vous pourriez, dans les années qui viennent, être en concurrence avec, par exemple, un professeur de français au Maroc. Les salaires des profs au Maroc, c'est comme en Indonésie, c'est pas différent. Et donc, au lieu de faire venir recruter un prof boulet dans votre université, ça coûte cher, c'est compliqué, il y a la bureaucratie, les visas, etc. C'est hyper compliqué. C'est pour ça que vous n'avez, dans vos universités, vous n'avez pratiquement pas de lecteurs français, parce que c'est trop cher et trop compliqué. Mais si demain, vous avez un collègue au Maroc, c'est un exemple, hein, le Maroc, qui dit à votre université, je vous propose mes services d'enseignant français, je suis qualifié et je ne coûte pas cher. Qu'est-ce qui empêche votre université de le payer lui plutôt que vous? Alors là, je parle de la science-fiction. Là.
Vous vous dites, c'est pas possible, Monsieur Granger, il a mangé quelque chose de bizarre au déjeuner. Non, je suis sérieux. Hein, le monde va changer et aussi bien, vous allez voir, comme les, il y a un exemple un petit peu extrême que je vais prendre, c'est Gojek. Un jour, peut-être, des enseignants seront dans la situation des Gojek, des Ojol, c'est-à-dire c'est l'étudiant qui choisit son prof, et c'est l'étudiant qui paye son prof. Ce n'est pas l'institution. Actuellement, c'est vous qui choisissez vos étudiants. Un jour, peut-être, vos étudiants vont vous choisir. C'est très bizarre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas maintenant, c'est dans plusieurs années. Mais tout va changer, on est dans une hyper-libéralisation du monde du travail, et surtout, les frontières, hein, perbatasan, qui protègent les travailleurs, elles vont tomber, ces frontières. C'est-à-dire, actuellement, vous êtes protégés par le droit du travail indonésien. Mmh. En France, on est protégés, il y a le droit du travail français. Donc, chaque pays a son droit. Mais si on peut enseigner à distance, pas d'autorisation, pas de visa, pas de billet d'avion, rien du tout, les frontières ne servent plus à rien. Et les travailleurs vont passer par-dessus les frontières comme ça. Ça a déjà commencé pour certains métiers. Je vous signale qu'en Thaïlande, il y a des villes, des petites villes touristiques qui sont spécialisées dans le télétravail, dans le travail à distance. C'est des petites villes touristiques très agréables, au bord de la mer, il y a la plage et tout ça. Mais les jeunes boulets qui sont là, en général c'est des boulets, ils ont des ordinateurs et ils sont en train de travailler avec New York, avec Paris, avec Berlin, etc. Mais au lieu d'habiter à New York, à Paris ou à Berlin, où c'est très cher et où il fait froid, ils décident d'habiter en Thaïlande parce que c'est très agréable. Le monde est en train de changer. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà, j'ai été assez long. Mais c'est pas grave. En résumé, j'ai dit une tignée. Revolusi pengajaran bahwa kita sedang menghadapi perubahan yang besar-besaran gara-gara atau berkat dua-duanya ya pandemi, guru pun kemungkinan besar akan meskipun akan kita punya akan ada dampak akan terkena dampak meskipun kita mungkin dilindungi, saya misalnya saya bakal dapat gaji dari Unhas atau kawan-kawan kolega di sini dari SMA dan lain sebagainya, tenang, nggak usah takut, mungkin kita nggak perlu takut, yang di kursusan saja mungkin yang takut ya karena ada persaingan, tapi mungkin kedepannya dengan perbatasan yang semakin kabur tidak ada lagi, ada mungkin alih-alih misalnya mendatangkan guru bahasa Prancis atau dosen bahasa Prancis untuk kita, ada Frankofon juga, negara-negara Frankofon yang gajinya sama dengan kita, tingkat taraf hidupnya sama dengan kita, yang memungkinkan mungkin universitas daripada mendatangkan, maaf ya, berarti ya konkurensinya dengan Prancis, tapi juga dengan kita juga ya sebagai sumber daya manusia di sini, mendatangkan secara daring dari tempat lain, dan mungkin juga dari negara Frankofon lain, dan mungkin juga mungkin adik-adik yang sedang kuliah di UPI, UNES, UNIMED dan kawan-kawan yang harus siap-siap, dan kita mungkin sebagai dosen yang mengajar, yang mempersiapkan mereka, bisa jadi nanti mahasiswa yang akan datang atau siswa yang akan datang yang memilih dosennya, sekarang kita menyaring mahasiswa. Sekarang kita menyaring siswa yang masuk, yang berebut masuk untuk masuk UPI, UNIMED, UI, dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti justru seperti Gojek, tidak terbayangkan mungkin ya sekarang ya. Tapi dulu juga Bluebird nggak membayangkan akan diganti oleh Gojek. Akan terganti, terus jadi mungkin peran kita lebih yang dosen lebih menyiapkan mahasiswanya, dan adik-adik siapkan mental kalian untuk yang akan datang. Lebih banyak persaingan ya akan lebih datang. Banyak wala lebih ke belajar menjadi kreatif begitu kira-kira. Oui. Okay. Ça, parce que je crois que ça concernera pas vraiment nous, on est trop vieux, enfin surtout moi, mais plutôt vos étudiants. S'il y a des étudiants d'université
qui nous écoutent aujourd'hui, eux, ils vont vivre cette révolution, ils vont vivre un monde du travail totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement. Ok. Kebetulan ada yang berdiskusi juga di dalam kolom diskusi di chat box. Oke, di chat ini dari yang pertama variannya itu siapa? Yang pertama dari ini mungkin terkait dengan Likungkur. Apakah ada Olimpiade katanya tahun depan Pak Philip? Olimpiade bahasa Prancis lagi. Kalau est-ce qu'il y aura une autre Olympiade? Oke, ada ya. Il y aura. Oui, oui, en septembre, normalement c'est septembre 2022, il y aura Olimpiade bahasa Prancis. Et on espère même si vous partez après l'année prochaine que votre successeur va continuer cette bonne habitude de faire comme. Bien sûr. Bagaimana? Reza. Ya, yang paling penting mempersiapkan diri ya untuk Olimpiade tahun depan. Ya, yang dari hadiah paling banyak. Mungkin nanti hadiahnya berangkat ke Prancis, mungkin. Ah, itu Karita ya, Karita terima kasih. Karita terima kasih. Madame Mahyang, bonjour mesdames, messieurs, depuis Madame Mahyang de Palangkaraya. Je ne vais pas poser des questions, je voudrais simplement remercier Alicia et l'appui. Merci à vous aussi, madame. Grâce à la, enfin, grâce à la pandémie. Oui, grâce à la pandémie, en fait. Ça fait un peu difficile de dire ça, mais c'est grâce quand même à la pandémie. Grâce à la pandémie, je peux assister, moi aussi, madame Mahyang, étant à Makassar, je peux assister aux formations organisées par IFI. Encore une fois, merci. Merci à vous, mesdames, messieurs, aussi d'être, d'être ici. Ok. Est-ce que madame Mahyang est là? Madame Mahyang. Boleh yang... mungkin Madame Mahyang bisa langsung berbicara dengan Madame Dini dan Monsieur Philly. Oui, Madame, je suis là. Oke. Okay. Merci beaucoup, Madame. Oui, merci. Merci à vous, Madame. On s'est rencontré, notre premier contact, c'est le... je crois que c'est en 2017 à l'IFI. Okay. Si vous souvenez encore de moi. À l'IFI Surabaya, je crois. C'est ça? Di Surabaya? Acara MGMP. Non, ce n'est pas dans MGMP, je crois. C'est, il y a une occasion qui est organisée par IFI. En 2017. Non, d'accord. Non, c'est à UNJ. C'est avant la pandémie. UNJ, Universitas Negeri Jakarta. UNJ, je crois. Ah, oui, c'est okay. Jakarta. Merci beaucoup, madame Mahyang. Grâce à la pandémie. Oui. Bon, je vais vous envoyer aussi des cadeaux pour vous. Okay. Yeah. Madame Mahyang, silakan tulis di chat box-nya mungkin ya. Bisa mengumumkan madame ya. Mahyang. Nanti ada kenang-kenangan souvenir menarik dari kami untuk dikirimkan kepada Madam Maya. Juga tadi menang. Monsieur Granger, vous voulez dire quelque chose à Madame Maya? C'est très intéressant la remarque de Madame Maya parce qu'elle a utilisé effectivement le mot grâce à la pandémie. Et donc, mais c'est sérieux parce que c'est vrai, la pandémie, il y a des choses très négatives, mais il y a des choses positives. En fait, la pandémie, elle a accéléré des évolutions. Les Zoom et tout, ça existait avant la pandémie. Il y avait des outils qui existaient. L'enseignement à distance, ça existait, mais c'était petit. C'était dans mon ancienne université, c'était très petit, la part de l'enseignement à distance. Et donc, tout s'est accéléré. En fait, en 2 ans, on a gagné 20 ans
d'évolution de la technologie et de la pédagogie. On a été obligé, hein, mais c'est, on peut dire quand même, grâce à la pandémie, des choses ont avancé très vite. Oui, surtout parce que Madame Mayang, elle habite à Palangkaraya, c'est vraiment très loin. Exactement. De Bandung, Jakarta. C'était impossible pour Madame Mayang de Palangkaraya, c'était impossible de venir à nos formations à Bandung ou à Jakarta. Et maintenant, elle peut participer plus facilement. Et ça, je comprends. Quand je vous disais tout à l'heure, 50% de nos étudiants de l'IFI ne veulent pas venir en cours en présentiel. Mais certains n'habitent pas dans nos villes. Oui. Certains habitent dans une petite ville à Bandung, certains habitent à Ternate, certains habitent, ils habitent très loin. Et donc, pour eux, de toute façon, c'est impossible de venir. Ou même ceux qui habitent à Tangrang. Tangrang, c'est très, très loin. Ça fait 40 kilomètres. On ne fait pas 40 kilomètres pour venir à un cours de français de 2 heures. Et donc, vous pensez aussi aux embouteillages, par exemple. Les embouteillages. Voilà. Tangrang à Jakarta. Voilà. Et donc, les gens qui habitent loin de nos centres, finalement, c'est une chance pour eux que l'enseignement à distance a. Et nous, à l'IFI, nous avons un nouveau public. Un public qu'on ne connaissait pas. Par exemple, on a des médecins. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de médecins qui apprennent le français pour le plaisir. Pourquoi pas? Alors, peut-être pour faire des voyages en France, du tourisme, mais ils apprennent le français pour le plaisir et, bien sûr, ils sont trop loin de notre centre Jalan Tamrin pour venir en cours. Et vraiment, d'autres personnes aussi qui sont dans des petites villes et, comme Madame Marianne, finalement, ils ont l'opportunité de profiter de certains cours. Ce sera peut-être le cas aussi pour vos universités. Vous allez peut-être avoir un nouveau public étudiant qui, pour des raisons diverses, ne peut pas venir sur le campus parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils ont un enfant ou pour diverses raisons et qui maintenant vont avoir la chance de pouvoir faire des études supérieures. Avant, c'était impossible. Voilà. Merci beaucoup. Terima kasih banyak, Madame Mahyang. Merci Madame Mahyang. Merci. Oke, Madame, sebelum kita akhiri sesi talk show atau bincang-bincang kali ini, apakah ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman pengajar bahasa Prancis seluruh Indonesia? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Merci beaucoup. C'est vraiment c'est une rencontre virtuelle. Pour nous et pour fêter notre jour du prof de français. Merci beaucoup. Ok, merci. Et de la part de vous, M. Granger. Tout simplement, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous revoir. J'aimerais vous revoir en présentiel. Et en présentiel, mais quand même, ça fait plaisir de vous revoir. Et quand je me dis, ça fait 3 ans que je suis en Indonésie, et maintenant, quand je vois vos visages, je dis, oh, je le connais. Et ça me fait plaisir. Je me dis, je connais quand même, maintenant, je connais beaucoup de profs de français d'Indonésie, et j'ai un peu l'impression de faire partie de vous, et ça me fait très plaisir. Le plaisir est partagé, okay. Monsieur. Terima kasih banyak kepada Madam Dini dan Pak Philip atas kehadirannya untuk peringatan Hari Bahasa Prancis Sedunia pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada kuis dan pengumuman lomba yang akan kita tayangkan. Silakan Madam Irma. Nous allons voir maintenant la dernière catégorie, c'est ça, Arisa? La dernière catégorie, c'est de catégorie professeur de français à l'université et au lycée. Donc, les deux ensemble. Ok, on va voir ensemble la vidéo. Kita akan lihat videonya terlebih dahulu. Mana dulu? Oh ya, sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Sebentar, minta maaf untuk yang tadi menang kuis. Masih ada 2 orang lagi yang belum mengisi tautan yang tadi dibagikan di chat. Mohon diisi. Agar kita bisa kirimkan hadiahnya ya. Jadi, nanti kan nggak bisa dikirim hadiahnya, susah. Iya. Ayo yang menang kuis, jangan lupa diisi tautannya. Atau diwakili saya juga boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Kita akan umumkan ya.
Oke, berikut para pemenang kategori pengajar. Yang pertama ada Madam Sulistianingsih dari MAN 1 Yogyakarta. Kemudian juara keduanya ada Madam Diah Fitri dari Universitas Negeri Semarang. Juara tiga, oh ini teman saya nih Madam, ada Madam Aisyah Al-Adalwiyah dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian ada juara harapan satunya yaitu Musi Salman dari SMAN 19 Medan. Dan juara harapan dua Musi Abdul Wahab dari SMKN 7 Wajo. Felicitation, bravo, arbutus. Kita lihat videonya ya, bersama-sama. Merci. Merci Pak Abdul Wahab. Bonjour, je m'appelle Sulistianingsih. Je suis enseignante de français à MAN 1 Yogyakarta. Comme vous le savez, le COVID-19 a touché tous les domaines de la vie. Il a reflété également les contraintes dans le monde de l'éducation. Le cours à distance est la seule solution pour empêcher la propagation du COVID. La pandémie nous a exigé, en tant que l'enseignante, de créer de nouvelles techniques et médias pour transférer la connaissance. Le rôle des livres ou des manuels a été déjà changé par la présence des sites de l'Internet. Moi, j'ai pris beaucoup de matières dans les sites d'apprentissage français comme le TFC Monde, Bonjour de France et les vidéos dans le YouTube. J'ai adapté bien sûr ces matières au niveau et à notre besoin. D'autre part, j'ai également essayé de créer la vidéo simple de l'apprentissage et les diapos. Est-ce que les cours en ligne pourront-ils enrichir nos pratiques de classe en présentiel? La réponse est oui. Avant la pandémie, nous avons beaucoup utilisé les manuels français, mais pendant la pandémie, nous avons été insistés de créer les médias et aussi de surfer les sites de l'apprentissage sur l'Internet qui ont soutenu beaucoup dans la classe en ligne. Les matières et les médias d'apprentissage que nous avons déjà trouvés et faits pourront nous aider dans l'enseignement de la classe en présentiel. Ceux-ci pourront également enrichir les pratiques de classe en présentiel. Par exemple, l'apprentissage de français avec TFC Monde. En plus de vidéos, les exercices pourront aussi être appliqués dans la pratique de la classe en présentiel et nous espérons que ça pourra créer les activités ludiques dans la classe en présentiel. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir. Voilà, bravo. Bravo. Bravo, Madame Sulistianingsih. Malheureusement, est-ce que vous êtes là? Ah oui, oui, elle est là, Madame. Madame Bell. Bonjour, Madame Sulis. Bonjour. Ok. Merci beaucoup. Bravo, Madame. Bravo, Madame. Oh. Oui, je vous pleurerai. C'est une surprise pour moi. Vous êtes trop chou. Je suis bon. Bravo. Saya juga nanti ikut nangis ini. Eh, Madame Sulis, est-ce que vous voulez nous partager peut-être vos expériences pendant enseignement de français pendant la pandémie? Comme j'ai déjà partagé bon, dans ma vidéo, franchement dire, je ne sais pas créer, par exemple les plateformes ou bien la vidéo pour les élèves ou bien la vidéo. Comme Monsieur Salman, mon collègue, a déjà fait. Donc, ils ont beaucoup de vidéos et ils ont beaucoup. Et je trouve beaucoup les vidéos de Monsieur Salman dans le YouTube. Bon, moi, je ne sais pas comme ça. Mais j'ai seulement, comment dire, fait la vidéo simple, tout simple pour mes élèves. C'est pas pour
pour les autres élèves, c'est juste mes élèves. Et quelquefois, j'ai aussi faire les diapos pour enseigner, par exemple, les grammaires ou bien les autres matières. Et quelquefois aussi, j'ai téléchargé les matières d'apprentissage comme dans le monde. Alors, Bonjour de France et aussi les vidéos dans le YouTube. C'est ça. Et c'est bien sûr, j'ai adapté dans le niveau de mes élèves à 1, c'est bien sûr. Ok, voilà, c'est tout. C'est simplement, je pense. Mais si les jurys ont déjà choisi, moi, comme gagnant, c'est merci beaucoup. Bravo, Madame Sully. On peut partager avec d'autres professeurs pour la vidéo, par exemple. Exactement. Madame Sulis et Monsieur Salman. Betul, jadi justru pandemi mengajarkan kita untuk saling berbagi ya, Madam ya. Apa yang sudah kita lakukan. Wala, susah. Merci beaucoup. Bravo, Madame Sulis. Sekali lagi. Merci dari beaucoup, oui. Avec plaisir. Merci. Malheureusement, peut-être pas de temps, on peut pas lire toutes les vidéos. C'est ça, Reza? Betul, betul. Jadi karena keterbatasan waktu. Oh ya, jadi dapat dilihat di Instagram AFI, PPSI juga. Jadi di situ sudah ada video-video yang sudah dibagikan oleh ya para pemenang untuk kejuaraan atau lomba peringatan Hari Bahasa Prancis Dunia. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk para pemenang dari kategori siswa, mahasiswa, dan para pengajar bahasa Prancis. Semoga tahun depan ada lagi ya, Madam ya. Jadi iya, biar kita merayakan setiap tahun. Merayakan setiap tahun. Ne vous inquiétez pas pour les non gagnants. Zut, moi donc, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Donc, si ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, inchallah, il y aura un autre concours plus intéressant, plus festif. Exactement. Oke, selanjutnya ada aktivitas yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta yang hadir di siang hari ini, yaitu kuis kedua yang tentu saja akan membagikan hadiah-hadiah menarik bagi para pemenangnya. Oke. Okay. Donc c'est notre deuxième quiz maintenant. Malheureusement, moi et Reza, nous ne pouvons pas y participer. Ce sera pour vous, avec guidé encore une fois par la master de quiz, Madame Arissa Ramadani. Madame Ramadani, à vous. Voilà, silakan. Merci, Madame Irma et Monsieur Reza. Untuk teman-teman pemenang di sesi 1 tadi, seperti yang sudah disampaikan Madam Irma, jangan lupa tolong isi tautannya. Tadi sih saya cek masih ada 2 orang lagi nih. Ini sayang sekali nih slotnya, apakah mau disisihkan kepada Madam Irma dan Mas Reza mungkin? Iya, saya aja tuh yang payung dari UPI. Lagi musim hujan ya. Apalagi. Oke, teman-teman dan ibu bapak sekalian, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Polanya masih sama seperti kuisis yang pertama, ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Dan saya rasa sih sekarang sudah lebih jago ya. Saya ingatkan kembali kepada para pemenang di sesi 1 untuk tidak ikut bergabung main ya. Jadi silakan menonton saja teman-temannya yang main kali ini. Gitu. Karena menang, takutnya ya, nanti menang lagi menang, gitu. Siapa tahu jempolnya terlalu cepat. Jadinya menang lagi, nanti kita agak-agak pusing. Iya, pusing melihat tadi aja juara satunya ada 2 kan? Betul. Karena sama-sama cepat dan tepat jawabannya. Iya. Okay. Langsung dibagikan saja tautannya, Madam Arissa. Ya. Okay. Ini silakan join melalui kode 748097 atau melalui tautan ini. Kebetulan saya bawa HP nih, boleh ikutan nggak? Kayaknya saya juga deh. Tapi mendapat tugas jadi master. Jangan lupa nama lengkap dan institusinya ya. Jangan lupa nama lengkap dan institusi. Agar kita Madam, tahu Madam dari Mari, mana. Ingat ya Madam Mari, jangan ikutan. Oke.
Ayo, tinggal masuk melalui browsernya di joinmyquiz.com. Kemudian isi kodenya 7480097. Iya, betul. Jangan lupa juga untuk pemenang sesi 2 melakukan tangkapan layar, atau nanti juga tadi seperti tadi saya kirimkan daftar pemenangnya. Oke, untuk kuis kedua ini apakah lebih sulit daripada kuis pertama tadi, Madam? Bobot kesulitannya sama. Jadi sama, ya? Ini supaya setara ya. Jangan kuis kedua lebih sulit, nanti takutnya tambah pusing karena ini sudah sore ya, udah hawanya hawa liburan. Satu hari lagi, Madam Irma. Masih satu hari kerja lagi nih, baru kita libur. Oke. Mungkin kita bisa mulai saja, Madam Ica. Kita akan mulai saja. Iya, mulai saja. Suara 3, 5. Okay. Aduh. Coba. Nah, ini bisa tebak-tebak ini hadiah ya. Tebak-tebak buah manggis kalau ini. Harus tahu. Semua peserta ini mengenal betul kapu ini. Ada di web. Jangan dikasih clue, Madam. Sayang sekali tidak ada clue ya untuk pertanyaan ini. Oke, siapa? Oh, Andy, ada Lulu dari UNY. Oh, terbagi 3 ya. Aduh, 10. Jadi ada 10 cabang APVD seluruh Indonesia. Kita lanjut pertanyaan kedua. FIPF. Nah, kalau tadi ada APVI, ada PPPSI, nah sekarang FIPF. Banyak singkatan ya. Tadi presidennya juga apa kita? Iya ya, Madam ya. Madam Cynthia Aid. Nah, mulai mantap. Oh, ada dari Kendari. Halo, ya, ya. Federasi Internasional de Professeur de Français. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini pengetahuan umum tentang Prancis. Saya rasa semua yang belajar bahasa Prancis tahu. Tanggal lahir saya itu 29 Juni. Oh. 29 Juni. Ini mah Madam Irma pengen dikasih kado kayaknya. Oh iya, pengumuman sekalian kan, mumpung nasional ini. Siapa ya, Madam? Nasional ini. Oke, ternyata disalip oleh Rizky Mardani. Ya, 14 Juli masih ada yang terkecoh nih. Antara 15 dan 14. Disalip. Disalip. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang warna. Perhatikan gambarnya baik-baik ya, teman-teman. Nah, Madam Julia Young. Port de Lunette. Nah, itu dari, kalau dari studio Madam sini nggak kelihatan nih, kejauhan. Ica. Bisa di zoom. Dan harus tahu juga ya, tadi Madam Julia yang mana nih? Betul. Kalau menyaksikan dari awal, pasti tahu yang mana Madam Julia yang. Oke, ternyata ada Lulu. Dia menyusul. Iya, menggunakan chemisier violet. Iya, yang sebelah kiri ya, Madam Julia yang menggunakan kacamata. Oke, lado aku kuliah. Oh, lado la violette. C'est violet, je crois que c'est noir. Eh, oui, c'est ça. Dari sini kelihatan hitam doang. Ah. Kalau ini sih. Jalan ke museum Louvre. Mau melihat apa nih? Irma. Wah, ini sepertinya hampir seluruhnya tahu ya.
Saya ke lu pengen lihat piramidnya aja sih sebenarnya. Saya cuma pengen dipoto doang, gimana dong? Foto aja. Masuknya mahal. Oke, menyusul. Wah, ini dari UPI 33-nya nih. Iya, La Joconde, La Tour Eiffel tetangganya ya, enggak apa-apa. Ada yang jawab dari piramid. Itu bisa dilihat dari perspektif mana, sudut pandang mana bisa. Atau ngelihat yang jualan, mungkin jualan souvenir La Tour Eiffel banyak juga betul. Di situ. Kalau itu memang tepat. Ini ada piramid juga, tapi ini piramid Giza. Tidak ada di Prancis ya. Di Prancis ada piramid, tapi piramid Louvre. Di Bekasi juga ada ya, Madam? Ada, piramid terbalik piramidnya. Oke, lanjut pertanyaan ke-6. Nah, tentang Monsieur Granger lagi nih. Monsieur Granger, le rapport des plantes ya. Oke. Je Philippe itu attaché dan apa ya profesinya satu lagi? Allahu Akbar. Apakah footballer, counter? Oke, ada Sheikha. Wah, ini betul semua. Betul semua nih, bravo. Oh, bravo. On vous connaît tous. Jadi Monsieur Granger tidak akan sedih ya, ini semua betul. Jadinya. Ini baru pertama kali nih, betul semua. Iya, betul, tepat sekali. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke-7. Mantap. Ini harusnya tahu semuanya nih. Du jour du prof 2021. Oke. Ada nih. Kalian disebut berkali-kali ya dari tadi ya. Ada di virtual. Oh iya, ada di pikiran background juga, betul. Hati-hati terkecoh nama penyakitnya. Semoga ini juga betul semua ya, teman-teman. Sepertinya betul semua, soalnya tidak ada yang menyalip. Oh, ada yang salah, La Fièvre. Belum, ya, La Fièvre. Oke. Ya, memang COVID itu ada agak demam-demamnya, tapi bukan itu sayangnya tema kita ya. Belum. Oke, La Fièvre après, le rhume après, wah, je bois du thé. Oke. Pertanyaan ke-8. Oke. Hewan umum tentang Prancis lagi. Ah. Yang warnanya baru berubah ya kemarin katanya ya, warna birunya. Ini juga harus 100%. Ini harusnya 100% nih. Harusnya. Oke, klasemen tidak berubah. Sepertinya betul semua. Oh, masih ada yang terus belum. Oke. Terbalik, padahal sudah ada gambarnya. Sudah mungkin ada gambarnya kebalik kalau di sana. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Masih pengetahuan umum tentang Prancis. Pertanyaan ke-9. Ya Om. Nah. Terima kasih Om. Sama-sama, Dek. Biasanya ini tulisannya di bawah gambar yang saya tayangkan. 3 kata. Oke, ada yang naik dari Medan. Sasa gila. Oke. Pak Imat juga naik ini, Pak Imat. Pertanyaan terakhir. Terakhir nih. Ini mudah nih. Apakah juara satunya akan tersalib? Kita lihat bersama-sama. Oh,
apa ini maksudnya? Apa, Cak? Cak. Oh iya. Nama hari sebetulnya sih. Oh, oke, okay. Nama hari. Oh. Saya kita lihat kalau misalnya kita dari sini ya kelihatan. Ini ya sebetulnya sudah cukup kalimatnya ya. Kalau ingat hari ini hari apa? Oke. Amnesia. Oke, Saika Arigo. Amnesia. Ada yang menjawab materi tentang hari-harinya ya? Belum dipelajari itu. Mungkin. Baik, teman-teman, kita lihat tadi sudah terlihat ya juara pertama dari UPI ada Saika. Saika Salsabila. Jangan lupa tangkap layar ya. Oke. Okay. Kemudian ada Arigo dari UPI juga, okay. Dan Madam Elvi. Okay. Selamat kepada para pemenang untuk kuis kedua. Jangan lupa isi tautannya ya. Ya, nanti saya akan kirimkan kembali tautannya. Dari pemenangnya ya. Dari Sheikha sampai Ari Syaiful Rahman. Selamat untuk semua pemenang. Jangan lupa bravo. Nanti untuk isi tautannya. Oke. Okay. Silakan. Oke, terima kasih banyak Madam Mariesa untuk kuisnya yang sangat menarik dan sangat menantang bagi para peserta kita hari ini. Dan terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Jangan lupa untuk isi tautannya agar dapat dikirimkan ya hadiahnya pada masing-masing. Oke, Bapak Ibu hadirin terhormat, kami mengundang selanjutnya sebelum kita menutup acara. Ada pesan penutup yang akan disampaikan oleh Direktur IFI Bandung, Madam Aude Emeline Lorion Urbianto, untuk dapat menyampaikan pesannya pada peringatan Hari Pengajar Bahasa Prancis seluruh dunia. Kepada Madam Aude, kami persilakan. Madame Monsieur, nous sommes avec Madame Aude Emeline Lorion Urbianto, qui est donc directrice de l'IFI Bandung. Il va nous faire passer son message de clôture pour notre journée internationale des professeurs de français. Madame Urbianto, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien, oui. Merci. Parfait. Parfait. Alors, chère Madame Dini, présidente de l'AFI, cher Philippe, attaché de coopération linguistique à l'ambassade, chers tous, chers professeurs, chers organisateurs, je suis très heureuse d'être cette année encore, alors certes en ligne, mais au moins avec un public très large et certainement plus large que celui que l'on pourrait accueillir dans nos locaux si on faisait l'événement à Bandung. Donc, je suis très heureuse d'être à nouveau avec vous pour la troisième édition de la journée du professeur de français. Journée internationale, mais journée extrêmement célébrée et de manière très dynamique en Indonésie notamment. Et ça, je suis très fière de vous pour ça, d'avoir pris cet événement international comme un événement aussi national dont l'enjeu a une portée extrêmement importante pour l'enseignement du français en Indonésie. Donc, je vais aller vite, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, notamment sur les enjeux de l'enseignement et d'apprentissage du français en cette période de transition entre le début, la fin de la pandémie, cette période d'incertitude aussi, puisqu'on ne sait pas encore quand on va pouvoir reprendre l'activité qu'on avait auparavant, ni dans quelles conditions exactement. Donc une période charnière, faite encore d'incertitudes, mais avec aussi des certitudes, la certitude que les méthodes d'enseignement ont changé, les méthodes d'apprentissage également, que l'apprentissage en ligne, ben, c'est désormais quelque chose d'incontournable, que de nouveaux modes hybrides vont être mis en place, alors hybrides et commodales également. Je ne sais pas si vous en avez parlé au début, je n'étais pas là, je vais me pardonner, mais tous ces nouveaux types d'enseignement qu'on va tous devoir mettre en place dans les mois qui viennent pour s'adapter aux nouvelles habitudes aussi de nos apprenants. Donc cette journée était très très importante pour tout ça, pour faire un point. J'ai aussi découvert avec beaucoup de joie et d'humour également toutes ces vidéos qui ont été postées par les étudiants, par les enseignants,
L'Indonésie est toujours vraiment très, très active et très créative en matière de vidéos. Vraiment bravo. Ça montre votre dynamisme à ce niveau-là. Donc, un grand merci à tout le monde, aux organisateurs. Je sais que c'est toujours un petit peu compliqué, mais encore une fois, tout a été extrêmement bien organisé, sans souci technique. Donc, bravo à vous. Et donc, cette année encore, comme je le disais, on est face à un monde qui change, on doit s'adapter en permanence. Vous avez maintenant l'habitude de vous adapter, je crois, mais il faut continuer, il faut poursuivre les efforts. Et je serai quand même peut-être moins alarmiste que Philippe. Je trouve Philippe, à la fin, a été un petit peu sur une note complètement joyeuse et d'encouragement pour vous tous, pour vos étudiants, en espérant voir fleurir vraiment l'année prochaine tous ces nouveaux modes d'enseignement et en espérant que nos instituts, nos universités, nos écoles vont pouvoir rouvrir dans de bonnes conditions et qu'on va pouvoir aussi redonner envie à nos étudiants de revenir en présentiel, parce qu'on le voit à l'IFI Bandung qui a réouvert depuis 15 jours maintenant, eh bien on peine beaucoup, beaucoup à faire revenir les étudiants. Ils préfèrent les cours en ligne. Donc, ça va être une nouvelle bataille. Il va falloir trouver un juste milieu, des compromis, offrir des possibilités d'enseignement à la carte qui permettent de contenter tout le monde. Et pour tout ça, eh bien, on compte sur vous. Voilà, donc bon courage à tous. Vous êtes formidables de toute façon. Mais continuez à vous adapter, à trouver de nouvelles solutions et à garder cette motivation qui fait votre force. Voilà, donc bonne fête du professeur de français et à très bientôt. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Aud Emeline Lovionov Dianto selaku Direktur IFI Bandung atas pesan penutup pada peringatan Hari Pengajar Bahasa Prancis seluruh dunia tahun ini. Merci à madame Aud Emeline Lovionov Dianto, donc directeur ici présent IFI Bandung pour son message. Si je peux me permettre de résumer une phrase. Il faut être tout de même les deux entre M. Granger et Mme Nourbianto. Il faut être en alerte, certes, mais sans être pessimiste. Est-ce que ça va comme ça? D'accord. Jadi, intinya dari semuanya, dari dua pesan yang kita dapat dari M. Granger dan dari Mme Nourbianto, mungkin kita tetap waspada, meskipun tadi M. Granger mengatakan bahwa kita harus hati-hati, tapi jangan juga sampai kita pesimis. Tetap optimis, meskipun kita terus berkarya. Oke, terima kasih banyak, Madam Irma, untuk resumenya. Berikut, Bapak-Ibu hadirin yang terhormat, berikut adalah akhir dari acara peringatan Hari Pengajar Bahasa Prancis Sedunia, sekaligus Hari Guru se-Indonesia, yang pada tahun ini bertemakan COVID-19 dan bagaimana setelahnya, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis Seluruh Indonesia atau PPPSI bekerjasama dengan Institut Prancis Indonesia atau IFI. Voilà, mesdames, messieurs, nous touchons donc malheureusement à la fin de notre événement, notre journée internationale professeur de français. Et dont le thème de cette année est COVID-19 et après, organisé par l'Association des professeurs de français d'Indonésie et l'Institut français d'Indonésie. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para seluruh pengajar, siswa dan mahasiswa, sekaligus para undangan yang sudah hadir pada peringatan tahun ini. Saya Reza Nurizki dari Bandung. Ma chère collègue. Donc nous remercions à tous les professeurs, tous les étudiants et tous les invités qui sont ici présents à notre événement. Moi, Irma Nurulus Nalasutima de Khotima de Makassar, à l'année prochaine. Sampai jumpa tahun depan dan selamat Hari Pengajar Bahasa Prancis Sedunia dan selamat Hari Guru seluruh Indonesia. À l'année prochaine.
À l'année prochaine. Sampai jumpa. Joyeuse fête. C'est notre fête. Au revoir. À l'année prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Ibu. Au revoir. Au revoir. Monsieur Philippe. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Terima kasih semuanya. Dari Sabang sampai Merauke. Terima Merci. Kasih banyak semuanya. Sabang sampai Merauke. Merci. Bisa nyanyi dan. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Sampai jumpa. Merci beaucoup.